Eh bien, chers amis, bonjour. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Buzz. Comme vous l'avez vu, beaucoup d'aléas, non seulement au niveau censure, mais aussi au niveau matériel. Un clavier qui semble être oxydé et qui cause beaucoup de problèmes dont nous n'avons pas la solution, faute de pouvoir investir en ce moment, et puis du travail que ça demanderait de tout réinstaller. Et donc, ce clavier peut se déclencher. Donc, pardonnez-nous si ça se produit pendant l'émission, à tout moment, avec une lettre qui vient perturber l'ensemble du système. Nous sommes dans l'incapacité d'interrompre ce processus d'auto-repeat, tout au moins. Voilà. Donc petit à petit, on coupe des morceaux jusqu'au risque de détruire la machine elle-même. Voilà pour les aléas du jour. Il faut bien en parler pour que vous compreniez un peu ce qui se passe, mais c'était vraiment pas le sujet de notre émission. Donc, émission qu'on avait programmée initialement, comme vous avez pu le voir, à 16h30. Et merci à celles et ceux qui étaient au rendez-vous. Et encore une fois, toutes nos excuses pour, évidemment, ce report du temps, en espérant que ça va pouvoir se dérouler de manière sereine. En ce moment, c'est un petit peu, comme on le dit, la totale, entre des travaux qui, à tout moment, peuvent faire surgir des bruits de perceuse et autres bruits jusqu'au sein même de mon propre bureau, puisque ça se passe juste dans la pièce au-dessous. Et puis, évidemment, la tristesse qui, pour l'instant, ne s'en va pas d'une chaîne qui contenait une grande partie. Bah, voyez, ça recommence, donc je vais être obligé d'interrompre. C'est vraiment sans solution, ce clavier. Alors, j'ai appuyé dessus, mais pour combien de temps ça va remarcher, on ne sait pas. Voilà, il y a une touche qui se déclenche de manière intempestive et on ne trouve pas de solution pour la désactiver. C'est vraiment la plaie. Et une fois que on pense avoir résolu le problème, en fait, ça impacte tout le restant du clavier. Donc, il n'y a pas que la touche E, pour ne pas la nommer, qui déconne, mais ensuite, plus rien ne marche sur ce clavier. Voilà, c'est ça, c'est le cas. Et donc, on ne sait pas exactement si la machine reste fonctionnelle ou pas. Voilà pour ces aléas d'informatique qui sont, sur le fond, pas grand-chose, mais qui peuvent vite vous pourrir la vie. Quand évidemment vous êtes... Alors voyez, ça recommence à tout moment. C'est vraiment l'enfer. Ça fait des semaines, pas des semaines, j'exagère, mais depuis dimanche que je suis dessus. Et rien n'y fait. On essaye de bricoler ce qu'on peut. Et rien n'y fait. On soulève des pièces, on en rabaisse d'autres. Il n'y a vraiment rien à y faire. Alors, je vais finir par y couper au cutter, mais bon, évidemment, ça va finir par me détruire la machine. Donc voilà où nous en sommes. Et puis la portée chez un réparateur, bah ça veut dire pour l'instant un temps non défini de réparation. Alors je ne sais pas si on va arriver à avancer dans cette émission tant bien que mal. Merci à Aline de nous avoir rejoints. Voilà, bah oui, tu écoutes en faisant autre chose, mais c'est un peu le but de ces podcasts. Donc j'avoue que ça me perturbe beaucoup, beaucoup. J'ai une grande susceptibilité au matériel qui ne marche pas et sur lequel je ne peux pas compter parce qu'évidemment ça m'empêche de me concentrer sur le sujet. Et c'est vraiment, je vais finir par couper cette pièce tellement ça m'agace, c'est infernal quoi. C'est-à-dire qu'on peut strictement pas compter dessus. Et dès lors qu'on est dans un live, voilà, donc j'essaye de soulever des pièces de ma machine, mais rien n'y fait. Donc je ne sais pas quelle pièce couper. Assez pénible, c'est peu de le dire. Donc voilà, alors pour l'instant, on tient encore le choc quelques minutes si ça s'avère venir avec trop de fréquence. Alors chaque fois, je tente un truc nouveau. Là, j'ai soulevé deux morceaux. Je ne peux pas vous les montrer à la caméra parce que la caméra ne doit pas donner au bon endroit. Mais si je vous mets la caméra clavier dessus, on va regarder ce que ça donne. Mais je ne pense pas que je puisse vous montrer cette partie du clavier. Alors c'est vraiment... La première fois que ça m'arrive, j'ai manié plus d'une centaine de portables Macintosh dans ma vie. C'est la première fois que j'ai ce genre de conneries. Alors j'essaye de mettre la caméra dessus, mais il n'y a pas moyen d'amener sur la bonne touche. Donc on ne va pas y passer trop de temps. En tout cas, merci pour toutes celles et ceux qui nous soutiennent, qui sont avec nous. Comme vous savez, vous exprimez une grande tristesse parce que notre chaîne Pierre29200, c'était la première chaîne YouTube. Alors ça continue à déconner. C'est vraiment, je vais finir par devenir grossier tellement ça m'agace. Désolé les amis. C'est vraiment infernal parce que c'est inopiné et vous ne savez pas exactement à quel moment ça va s'arrêter. Donc je crois que je suis pas loin là de me décider à actionner une pince coupante. Il y a vraiment quelque chose, là je ne sais pas quoi faire. Donc voilà, donc je suis en train de tordre la pièce dans tous les sens, mais rien n'y fait. Les amis, comme quoi,
ce matériel technologique nous rend quand même bien dépendants, et quand ça marche plus, c'est beaucoup d'argent, c'est évidemment l'interruption de tous les services. Enfin bon, on a plus ou moins tous connu ça un jour ou l'autre, alors ça dépend nous, du niveau d'installation de votre machine. La mienne a nécessité des dizaines et des dizaines d'heures, et quand il faut changer une machine, ça se passe jamais comme on voudrait. Il y a des changements de mise à jour système qui font que certains logiciels ne marchent plus. Bref, en moyenne, ça prend facilement 3 à 4 mois avant de retrouver une situation où vous avez vos nouvelles marques, vos nouveaux points de repère. Inutile de vous dire que pour l'instant, ça vient se rajouter déjà à beaucoup de choses. Donc comme j'étais en train de vous le dire, la chaîne Pierre29200, qui était notre chaîne depuis 2006, avec beaucoup, c'est vrai, de souvenirs personnels de notre histoire, a été supprimée. C'est là qu'on voit évidemment l'absence totale d'humanité de tout ce qui est intelligence artificielle. Ça devrait faire réfléchir chacun. Malheureusement, ça fait réfléchir que ceux qui en souffrent, comme nous, puisque on perd du jour au lendemain. On a été captifs, évidemment, sans voir où ça nous menait, comme j'imagine un certain nombre de youtubeurs. Tout ce qu'on ressent au final, c'est des émotions de tristesse, de frustration. Et puis, comme souvent, ça débouche sur pas grand chose, parce que nous sommes très isolés, que ceux qui regardent YouTube n'ont pas les mêmes, évidemment, émotions que ceux qui perdent leur chaîne. Et donc, quand on regarde, on passe d'une chaîne à une autre, c'est bien naturel. Mais quand c'est votre propre chaîne, évidemment, vous apercevez que vous aviez compté dessus, un peu comme pour en faire un album photo qui pourrait vous suivre à vie, et bien vous découvrez que la réalité est tout autre, et évidemment pour des mauvaises raisons. C'est à chaque fois pour avoir relayé principalement l'info en question, au motif que cette émission diffuserait évidemment des informations médicales incorrectes. Et alors, depuis quand on supprime une chaîne qui date de 15 ans, quand bien même ce serait le cas? Quant à ce qui fait dire ça à YouTube, on aimerait bien évidemment savoir quelle faculté de médecine il consulte avant de décréter ça, sur quoi il s'abrite. Enfin bref, on pourrait y passer sa vie, c'est bien la difficulté sur ces questions de censure sur YouTube. Et malheureusement, on est bien obligé de constater pour notre part que la plupart des YouTubeurs finalement choisissent des solutions de contournement. Alors ça, c'est un peu ennuyeux, parce qu'une fois de plus, on est dans le même schéma de société, c'est-à-dire que les gens essayent de trouver une solution pensant qu'à terme ils s'en sortiront. Moi, je ne partage pas du tout cet avis, parce que je pense qu'à terme toutes les solutions alternatives seront tour à tour censurées comme les YouTube. C'est simplement une question, évidemment, de visibilité réelle. Tant que ces chaînes, pour le dire autrement, ne dérangeront pas, évidemment on les laissera faire. Seulement, comme le but lorsqu'on est dans des combats politiques ou de justice, c'est quand même d'avoir une visibilité, de tenter de faire le poids, comme on le dit, par rapport au rouleau compresseur des médias mainstream, évidemment c'est pas d'une grande consolation d'aller s'isoler sur telle ou telle chaîne où vos abonnés sont divisés par 100 ou par 1000 ou par 10 000. Donc voilà un petit peu la réalité. Je crois qu'il faudrait quand même que certains youtubeurs, et là pour le coup plutôt ceux qui ont des grosses chaînes, se décident enfin à s'unir, parce que c'est vrai que si on s'unissait tous par Twitter et autres, ça a été le cas de certains youtubeurs qui l'ont exprimé, on pourrait dans ce cas-là arriver à une visibilité suffisante de cette question de la censure pour qu'elle puisse au minimum s'infléchir. On a commencé à collecter plusieurs chaînes qui ont relaté comment elles avaient réussi par différents moyens à finalement rétablir leur chaîne. Seulement, ce sont des stratégies très isolées qui malheureusement ne peuvent pas s'appliquer à nous. Parmi ces chaînes, donc je vais vous en mettre quelques-unes sous les yeux en début de cette émission. Ça me désole vraiment de devoir commencer chaque émission de lecture par une espèce de compte-rendu de ce qui nous est arrivé, parce que c'est pas vraiment notre objectif. Mais à chaque fois, évidemment, face à une censure impitoyable, on est bien obligé de vous partager non pas nos états d'âme, mais notre état émotionnel, pour que ça paraisse pas trop bizarre pour ceux qui nous connaissent tout le temps en pleine forme et avec plein d'idées. Là, il y a des moments, ça finit par s'accumuler un peu trop. Donc vous voyez, on a commencé à faire une collecte des vidéos parlant de censure. Alors, n'hésitez pas à nous en suggérer en commentaire. Là, on est sur la chaîne BrestBuzzSense sur VK. Alors, on a découvert aussi que sur Twitch, eh bien évidemment, la durée de conservation de nos émissions
est limitée, donc ça c'est encore un autre coup, ça n'arrête pas, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui. Et puis donc vous voyez, parmi, donc on a laissé un déroulé assez argumenté sur notre modeste réseau social synergie.brest.buzz, expliquant la fermeture de notre plus ancienne chaîne, donc je vous rappelle qu'il date de 2006, donc pour nous, pour moi c'est beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'émissions qu'on a mis un cœur fou à construire, on a passé des heures, et qui ont finalement, au fil des années, trouvé leurs abonnés, en tout cas leur intérêt auprès de certains, donc plusieurs d'entre elles dépassant ce qui, pour notre modeste chaîne, les 100 000 abonnés, et puis des choses plus affectives, comme des moments importants de notre vie. Alors tout ça évidemment lancé à la poubelle, vous n'êtes rien face à YouTube, faut bien le savoir quoi. Et donc tant que évidemment on accepte les règles du jeu imposées sans rien dire, eh bien évidemment on n'a aucune chance de sortir de la plainte. Or notre but n'est pas de nous plaindre, mais d'aider à la prise de conscience collective que la technologie, et c'est bien le sujet de nos lectures, se veut de plus en plus coercitive. Alors parmi les chaînes qu'on a pu consulter, il y a bien évidemment, merci Contact Terre d'être avec nous, il y a bien évidemment YouTube, mi-censure, coup de gueule. Alors vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est ça qui nous désole quoi. Vous voyez, ces questions de censure, ça fait un moment qu'elles sont sur YouTube, et finalement, la seule solution qui pour notre part ne correspond pas à nos valeurs, c'est la solution du contournement. Mais je pense qu'on ne peut pas contourner à vie des vrais problèmes, il y a un moment donné, il faut y faire face quoi. Donc chacun fait son truc dans son coin, évidemment, je peux me mettre dedans à certains égards, mais enfin, en tout cas, je tire la sonnette d'alarme pour ne serait-ce que mettre une pétition qui serait lancée par une centaine de grands youtubeurs, grands dans le sens d'avoir beaucoup d'abonnés, je pense que ça pèterait le feu, quoi. Seulement, voilà, dès qu'il faut faire l'union, même sur une cause commune, on voit bien à quel point les choses traînent. Bon. Donc, YouTube mi-censure, c'est la chaîne de Mamie Twink, une grosse chaîne en nombre d'abonnés en tout cas, et puis la plus modeste chaîne en nombre d'abonnés de Thomas Pichon, mais il en parle et merci à lui. Pour nous, la valeur d'une chaîne, je rappelle, se mesure pas au nombre d'abonnés. Et puis on trouvait sur rtbf.be un article « Quand la censure de YouTube va trop loin » et ça date du 28 juin 2019. Donc vous voyez, c'est quand même pas d'aujourd'hui. On ne peut pas accuser uniquement les questions sanitaires d'être à l'origine de cette censure. Il y a bien d'autres raisons. Et cet article s'intitulait, alors vous voyez, c'est reparti pour certains bruits, « Quand la censure de YouTube va trop loin, la modération faite par des algorithmes a démontré ses limites en censurant tout un tas de vidéos de YouTubeurs » et d'historien. Alors pour l'instant, j'espère que ça ne va pas faire redémarrer les problèmes, la touche qui se déclenche inopinément et qui répète à l'infini des « et qui fout tout le bazar dans la machine, a l'air de, pour l'instant, de rester tranquille. J'espère que ça va nous permettre de faire notre émission correctement ensemble. Alors après, parmi les autres épisodes du jour, je vais vous mettre sous les yeux, si j'arrive à le retrouver, évidemment, mon petit papier. Nous étions partis, Léna et moi, en quête aujourd'hui de nouveaux livres, d'où le titre initial avant qu'on doive interrompre l'émission prématurément. Et donc, si j'arrive à mettre la caméra dessus, voici les... Alors, où est-ce qu'il faut mettre le papier? On va descendre ça, hop, et il faut mettre le papier au bon endroit. Voilà, on était parti s'acheter, j'étais parti m'acheter à la librairie Dialogue à Brest, petit coup de pub, le livre de Klaus Schwab, qui a été mentionné évidemment par Jean-Jacques Crèvecoeur lors de sa dernière émission, non pas l'info en question, mais... Conversation du lundi, la 80e très exactement, qu'on a relayé sur la chaîne Odyssée, évidemment pas sur YouTube, hein, censure oblige, on ne manquera pas de le mentionner encore et encore. Donc, Klaus Schwab, fondateur et président, il faut le rappeler, du World Economic Forum, hein, entre autres choses, Chloé Frammery nous l'a bien présenté en allant se rendre auprès de ce forum économique lors des derniers événements, et puis donc son
son livre, ça s'appelle « La quatrième révolution industrielle » avec une préface de Maurice Lévy-Duno. Alors on comptait bien revenir avec ça, mais aux déceptions, il n'était plus en stock. Donc il est commandé, on l'aura la semaine prochaine. Et puis, tant qu'à faire, on avait également... On s'est dit que ça serait peut-être pas mal de lire au final le livre de Jean-Jacques Crèvecœur, qui doit être assez ancien, j'imagine, qui s'appelle « Relations et jeux de pouvoir et manipulation », c'est aux éditions Jouvence. Et finalement, là aussi, on a fait chou blanc, pas de livre. Alors, comme c'est un véritable piège pour nous, cette librairie, parce qu'on commence à lire, vous savez comment ça se passe, les livres sont étalés sur des tables, alors vous êtes debout devant et vous voyez un tas de sujets, évidemment, sur lesquels, quand on a une curiosité intellectuelle, vous avez envie de lire. Alors, je vous présente quelques couvertures, on ne va pas pouvoir, évidemment, s'étendre très longuement sur chacun, mais peut-être qu'on va en lire des extraits quand même. Alors, le premier, alors du coup, je jongle avec deux claviers, hein, ça va être un peu le bazar, mais on va essayer de s'adapter à cette situation. Voilà, il nous reste l'adaptation. Quand les choses se passent pas comme on veut, c'est là que l'adaptation est requise. Et malheureusement, personnellement, mes capacités d'adaptation sont depuis bien longtemps dépassées par cette situation que, pour ma part, j'estime non seulement inacceptable, intolérable. Donc on fait ce qu'on peut avec, mais c'est vrai que on tâche de rester actif plutôt que de se plaindre, parce que se plaindre n'a jamais résolu grand-chose. Donc, génie du confinement, voyez, François Cusset. On espère qu'on va y trouver des motifs de réfléchir, peut-être aussi d'acquérir encore et encore un peu plus d'aisance littéraire, c'est toujours utile. Et donc, voyez ce que dit le quatrième de couverture du livre de François Cusset intitulé « Génie du confinement ». Eh bien, il dit ceci. « Le confinement ressemble à un méchant coup de génie, camoufler les incapacités de l'État, jusque-là on était bien d'accord, boucler l'espace public, toujours d'accord, interrompre le mouvement social, toujours d'accord, imposer des formes de contrôle à domicile qui font triompher le capitalisme numérique, encore d'accord. Pourtant, au contraire des suivants, le premier confinement, qui a concerné au printemps 2020 plus de 4 milliards d'humains, fut aussi une scène de vérité, une expérience à la fois commune et solitaire, radicalement inédite, peut-être décisive, pour l'avenir, à condition d'interroger d'autres génies que les vautours de la pandémie, les farfadets de l'insoumission, les djinns du voisinage, les anges du ciel intérieur, les vapeurs enivrantes ou terrifiantes d'un moment passé hors du temps, tous génies incités à surgir enfin à la faveur de cette stupéfiante interruption de tout que les modernes avaient dite impossible. En 9 variations enlevées, 9 histoires écrites en 9 genres, ce livre explore ce qui nous est arrivé de neuf pendant le premier confinement. Des humeurs incertaines, des initiatives curieuses et de l'étrange soulagement qui se firent jour, une force se dégage qui nous projette au-delà de la pandémie, de la crise, de la peur, dans un monde enfin vivable. Donc François Cusset, que je ne connais pas pour ce qui me concerne, est écrivain et essayiste, donc voilà, c'est un peu un saut dans l'inconnu qu'on a fait. Tout ça nous a quand même coûté finalement assez cher, hein, près de 50 €. On va pas pouvoir faire ça toutes les semaines, mais enfin, bon, voilà. Il faudrait se les faire prêter, mais bon, c'est compliqué. Surtout qu'on fait surtout des achats comme ça, un peu guidés par l'intuition du moment. Et donc, écoutez, on va vous lire le préambule, puisqu'on s'est lancé comme ça, sans trop de pouvoir s'organiser aujourd'hui. Et puis on reviendra quand même, on n'oublie pas qu'on avait entamé avec vous 4 livres, dont 2 sont finis, mais dont 2 sont encore en cours de lecture, donc on ne va pas vous laisser... au milieu de tout. Alors, j'espère que le son fonctionne. Pour l'instant, la crise a l'air de s'être calmée. Si ça pouvait durer, franchement, ça permettrait de respirer, parce que je ne vous dis pas la difficulté qu'il y a quand vous ne pouvez plus compter sur une machine qui, hélas, prend peut-être plus de place dans votre vie qu'elle ne le devrait. Nous, on attend avec impatience, c'est vrai, l'été pour être en plein air et dehors, et puis passer moins de temps devant les écrans. Alors, on est coincé entre les travaux de l'étage du dessous, les horaires, et j'en passe. Enfin, bref, alors ça va sans dire qu'on désobéit un maximum, mais malgré tout ça,
Je trouve cette situation inacceptable, désagréable au possible. Et puis c'est là qu'on se rend compte, pour ceux qui veulent ouvrir les yeux, de l'absolue absence de démocratie dans notre pays. Je crois qu'il faut arrêter de tourner autour du pot, quoi. Donc voilà, quoi, c'est tout. On est les otages d'un gouvernement qui profite un max de cette crise. Vous avez beau collecter 10, 50, 100 livres pour tous ceux qui veulent réfléchir. Évidemment, il y a ceux qui sont des soutiens, voilà, des complices, des puissances d'argent. Donc là, pour cela, on ne va rien apprendre de spécial. Ils vont vous laver le cerveau pour défendre leurs intérêts et non pas pour réfléchir. C'est là toute la grande différence. Alors voici le préambule de Génie du confinement de François Cusset. Que nous est-il arrivé ? Le 22 janvier 2020, Wuhan, Wangang et Hezhou, trois villes de la province de Hubei en Chine qui totalisent 20 millions d'habitants, sont placées en confinement strict. Courant février, la palette des mesures s'élargit au fil des mégalopoles chinoises. À Harbin et Hangzhou, chaque famille a droit à une sortie tous les deux jours. À Pékin et Shanghai, on contrôle la température corporelle à l'entrée des résidences. À Hong Kong, on place en quarantaine les gens qui arrivent du continent. Le 26 février, ce sont 11 villes de la province italienne de Lodi qui sont placées en confinement intégral. Le 8 mars, c'est le tour de la Lombardie, du Piémont, de la Vénétie et de l'Émilie-Romagne et dès le 9, de toute la péninsule. Le 13 mars, beaucoup de dates, tout ça, la République tchèque est confinée. Le 14, c'est l'Espagne. Le 16, la Roumanie. Le 17, alors on parle de mars 2020, le Venezuela, l'Ukraine et la France. Le 18, vous voyez, ça fait bientôt, ça fait plus d'un an, c'est pas... Voilà, c'est vous dire le ras-le-bol qu'on en a. Le 18, la Malaisie. Le 19, l'Argentine et l'Israël. Le 20 mars, avec toute notre compassion d'ailleurs pour l'Israël, quand on regarde la dernière vidéo qu'on a doublée avec notre voix en France, français sur Odyssée, je vous invite vraiment à aller la voir, c'est poignant quoi, c'est poignant de voir à quel point la population est l'otage d'un gouvernement criminel. Ça, on manque maintenant de mots pour qualifier ces situations qui sont impensables quoi. La population est l'otage d'un gouvernement qui a transformé l'ensemble de sa population en cobayes. C'est, je veux dire, ça passe toutes les limites, pour autant qu'il n'y en ait jamais eu, mais de l'inacceptable, de l'impensable et pire encore quoi. Alors, on a l'impression d'être dans les heures les plus sombres de l'histoire humaine, dans l'indifférence générale, il faut bien le dire, parce que s'il y avait vraiment un réveil, ça s'arrêterait le jour au lendemain. Donc voilà, on est tellement entouré de gens qui pensent qu'on n'y peut rien, qu'il ne faut rien faire, et surtout pas ouvrir sa bouche. Voilà où nous en sommes. Donc l'Argentine et Israël, avec toute notre compassion pour ce pays qui est vraiment une victime incroyable. Le 20 mars, la Tunisie, je parle de ses habitants, bien évidemment, on a compris. Le 20 mars, la Tunisie et les premiers États américains, Californie, New York, Illinois, Connecticut, qui seront 40 début avril. Le 21, le Maroc. Le 22 mars, la Bolivie, vous voyez cette orchestration internationale, l'Irak et les villes de Riyad et la Mecque. C'est vrai que c'est parfois un peu chiant de répéter encore et encore le passé, mais d'un autre côté, il faut bien comprendre ce qui nous arrive dans sa durée, dans son intensité, dans son imposture. Le 23, le Kenya, la Nouvelle-Zélande et la Grèce. Le 24, la Colombie, Cuba, le Népal, l'Inde et son 1,5 milliard d'habitants, l'État de Sao Paulo au Brésil et la Grande-Bretagne. Le 25, le Québec et l'Ontario, les deux provinces les plus peuplées du Canada. Le 26, la ville de Santiago au Chili. Le 27, l'Afrique du Sud. Le 28, l'Angola. Le 29, la mégapole de Lagos. Le 30 mars, le reste du Nigeria, le Mexique, le Zimbabwe et la ville de Moscou. Le 1er avril, c'est au tour de 100 millions de Vietnamiens et ainsi de suite. Ouf! À la fin de la première semaine d'avril, on dénombre plus de 4 milliards de confinés dans le monde, plus d'un humain sur deux, mais ne sont guère mieux lotis l'Allemagne où les parcs restent ouverts et où l'on peut sortir plus d'une fois par jour, l'Iran où l'on s'est d'abord contenté de fermer les centres commerciaux et certaines liaisons intérieures, ou le Japon où l'on commence en mars par fermer les écoles et reporter les Jeux Olympiques d'été. Chapelet de lieux et de dates avec de soudains élargissements de territoire, des moments d'accélération générale qui forment comme un voyage à l'envers, un voyage vers le dedans, vers le soi, vers soi, l'inconnu. Les Québécois nomment en débandage. Alors attention, nomment en débandage. Ça fait beaucoup de doses tout ça.
Les Québécois donc nomment en dedans d'âge, ah oui, allez au dedans si je comprends bien, en dedans d'âge, le confinement, pour dire ce recueil forcé des restes de soi dans ce petit, dans son petit intérieur, par un recueillement encore, tout au plus un repli, un recroquevillement, une restance, une sorte de cantonnement. La liste égrenée des mesures et des pays évoque aussi une descente aux enfers inexorable, une main énorme se resserrant progressivement sur le cou du monde, les formes archaïques du confinement obligatoire élaboré pendant les épidémies de peste des 14e et 16e siècles se faisait déjà appeler la Sérade, et on a, loin de toute allégorie, le cortège orwellien des décrets arbitraires, des mesures répressives, des libertés suspendues, à commencer par la plus tangible de toutes, celle d'aller et venir, le cortège des délaissés qu'on abandonne et des entassés qu'on laisse s'entasser, des résistances qui ne sont plus de mise et de la démocratie qui n'est plus qu'un luxe inutile, le souvenir d'un luxe pourtant heureux. À entendre en trois mots, d'un luxe pour temps heureux. Plus orwellienne encore est la consécration finale de la surveillance en obligation citoyenne, du contrôle à distance en autorité ultime, de la fenêtre numérique en dernier rapport au monde. Les webcams et les applis, les algorithmes et leurs firmes toutes puissantes ont profité de cette aubaine dont ils n'auraient osé rêver pour mettre un pied dans la porte de nos existences, de nos modes de vie, de nos pensées les plus secrètes, et nous empêcher de la refermer, la porte. Ils ont gagné 20 ans, on en a perdu 1000. Et la loi du plus fort, partout, en ligne et hors ligne, s'est mise pendant ce temps à régner de plus en plus crûment. Murs domestiques devenus obligatoires et murs numériques devenus camisoles ont semblé parachever le cauchemar du grand enfermement du petit sujet entièrement assujetti, modulé et discipliné. Cette involution de la modernité dont Michel Foucault hier retraçait les étapes, la logique implacable. Le confinement de 2020 est tombé comme une chape tuant les plus seuls et les plus fragiles, imposant aux autres l'angoisse, le désarroi, la promiscuité domestique, la claustrophobie, la suggestion inédite aux autorités. Et pour notre part, la colère tant de fois répétée. La paupérisation partout et l'avenir bouché et l'explosion aussi des désirs complotistes et des états dépressifs. Ça fait beaucoup pour une maladie qui tue relativement peu pour une si modeste proportion de la population qui aura finalement été contaminée. Mais partout, on obtempère, on se confine. Souvent sidéré, sans oser le dire, oser s'avouer à soi-même sa propre sidération. Car l'expérience est inédite, radicalement. Au contraire, des confinements ultérieurs, deuxième, troisième, énième, partiel ou modéré, ces confinements plus tristes qui ne concernent pas les pages qui vont suivre. La question ici sera celle du confinement, en aucun cas du reconfinement. Seul importe ici les effets impalpables du premier confinement, l'envoûtement impossible à reproduire de la toute première fois. Et à l'autre bout de ces premières 12 semaines, ou 7 semaines, ou 9, 8 pour la France, on finit par déconfiner provisoirement, par découvrir la promiscuité masquée et les foules soi-disant distanciées, sans jamais pouvoir dire que cette réclusion obligée aura été propice, fructueuse, sauf pour les chanceux confinés dans leur maison de campagne, qui auront enfin pu s'occuper de leur potager, et pour tous les Robinsons argentés qui auront joué à s'inventer une vie nouvelle. Pour les autres, c'est très clair. Sauf quelques éléments du cadre extérieur, moindre pression ou moindre pollution, aucun effet positif direct, tangible, de ce premier confinement ne saurait être attesté. Changement intérieur peut-être, mais dont on ne profitera pas, du moins pour le moment, faute de monde extérieur. À quoi bon vouloir changer de métier quand il n'y a plus de boulot ? Rejoindre une vie plus solidaire ou plus conviviale quand elle est interdite de toute façon et qu'il faut déjà commencer par remplir le frigo. Changer le monde quand on n'a plus même le droit de le parcourir et qu'on le retrouve en sortant de la grotte inchangé, plus dur, plus cruel sans doute. Plus personne ne rêve du monde d'après et beaucoup déjà sont nostalgiques du triste monde d'avant. Quant au confinement, ce mot exécré a raison, il déclenche désormais des émeutes tant les pays sont à bout. Les Pays-Bas ont inauguré en janvier 2021 un mouvement qui pourrait s'étendre. Et pourtant, pendant ce moment initial où tout s'est arrêté, quelque chose a commencé qui n'a pas de forme. Pendant ce moment où rien n'avait lieu, quelque chose s'est passé dont on n'a pas de trace. Pendant ces semaines hors du temps, on a tous senti, pensé, vécu un peu différemment
autrement qu'on ne l'avait jamais fait. Il en est sorti quelque chose comme une vérité entrevue, une série de vérités cruciales que la suite de l'épidémie et la bêtise des pouvoirs ont tout fait depuis lors pour étouffer. Si un événement se repère au tournant qu'il inaugure, au déplacement puissant qu'il provoque, en général invisible, dans l'ordre des discours, des corps, des façons de voir, alors le confinement du printemps 2020 est un événement majeur. Les conséquences en sont encore à venir, mais des changements intangibles, des déplacements souterrains ont, eux, déjà eu lieu. Les quelques pages qui suivent posent que l'événement ici, ce n'est pas l'épidémie, c'est le confinement. Et qu'à même les inquiétudes, les léthargies, les mille aspects pénibles du premier confinement se sont esquissés aussi d'invisibles révolutions. Réajustement de ses priorités, découverte de ses parages, jalons posés pour une lucidité à venir, imminente peut-être, et toutes les ressources à puiser pour aborder un futur incertain. Le confinement fut plein de noisettes, de temps libre et de pensées divagantes qu'on aura emmagasinées intimement collecté pour survivre à l'hiver interminable qui va suivre, qui va transir maintenant tout ce début de 21e siècle. On dira que les noisettes métaphoriques ne nourrissent pas et que la lucidité ne change rien au désastre, mais même quand on n'en a rien fait, ce qui fut presque toujours le cas, ce qu'on y a éprouvé, ce qu'on a vu ou entrevu dans cet en-dedans est vrai. Comme sont vraies les lignes de fuite le long desquelles les confinés se sont évadés, ont fui le désastre politico-sanitaire, socio-économique pour glisser vers de curieux ailleurs, lubies insoupçonnables, voyages immobiles. Tout ça ne fait pas un objet, juste une série d'interrogations, juste le tremblé d'une situation échappant aux rubriques trop nettes par lesquelles on voit le monde, plus l'étonnement immense encore inépuisé aujourd'hui et sa réverbération psychique, physique, ontologique peut-être. Rien là qui puisse être asséné comme une certitude ou un coup de poing sur la table, mais une vacillation d'ensemble, une hésitation à pencher du côté du réveil imprévu ou du prolongement plus probable du cauchemar. Ce flottement et ses possibles n'en ont pas moins touché des milliards d'humains confinés, de subjectivités confinées, ce qui en fait, sinon une histoire aussi effective que telle guerre, telle crise, tel basculement de régime, du moins une histoire plus inclusive que tout cela à coup sûr. La ressemblance entre cette pandémie et la crise climatique commence là. On est tous concernés, rien de plus inclusif. Le premier confinement aura marqué tous ceux qui l'ont traversé. Il les aura marqués au fer rouge d'un enfermement infernal ou au plus intime de devenir possible, inouï, impensable à l'instant où tout est figé, mais advenant à la faveur de ce monde figé. Il aura marqué les vies de ce début de millénaire plus sûrement, fût-ce plus tranquillement, que la maladie qui passera et que toutes les catastrophes et les crises qui s'enchaînent depuis des décennies sans discontinuer. Il aura imprimé en eux sa différence d'avec le temps ordinaire comme seule peut-être la guerre durable, effroyable, marque les vies. Sauf qu'il en aura été l'exact contraire pour nos appareils perceptifs. Plus de dehors, plus de battage, plus de bruit de bottes ni d'escarmouches, plus de confrontations ni d'invasions, pas d'autre ennemi ni d'autre peur que l'invisible virus, pas d'autre envahissement ni d'autre combat que celui de l'invisible virus. Il y a un génie du confinement. Alors, c'est là qu'on trouve, généralement, il faut chercher dans le livre hein, où se trouve ce qui a inspiré le titre. Eh bien, je pense qu'on en est tombé, ça y est, sur la bonne ligne. Alors, on va la surligner pour ne pas la perdre. Où est passé le surligneur, c'est la question. Force de brasser du matériel. Voilà, il y a donc, j'étais en train de le dire, à la page 18, il y a un génie du confinement. Un génie du confinement. On va voir ce que l'auteur entend par là. Hein, peut-être que c'est sa manière de nous donner de l'espoir. Donc voilà. Alors, il y a un génie du confinement. Nous, on a un petit génie qui nous dit que s'il pouvait y avoir une manif de 100 personnes la rue de la Porte en face du Macorlan pour faire cesser ce tapage qui nous emmerde jour après jour, ça serait vraiment génial. Malheureusement, il n'y a que ça que les gens comprennent. C'est quand même dingue dans le monde dans lequel on est.
Alors, il y a un génie du confinement, pas vraiment au sens où Chateaubriand a pu parler d'un génie du christianisme, même s'il défendait lui aussi l'indéfendable, et même si en changeant deux mots, le projet tel qu'il le résuma en son temps conviendrait plutôt bien. Je suis devenu, entre crochets, confiné. Je n'ai point cédé, je l'avoue, à de grandes lumières surnaturelles. Ma conviction est sortie de mon cœur. J'ai pleuré et me suis confiné toujours entre crochets. Je ne sais pas comment il faut interpréter ça. Non, plutôt au sens où il y a de bons et de malins génies, des génies diaboliques et de salutaires génies, au sens où leur face à face dans le huis clos du confinement est peut-être le grand affrontement à venir, la bataille décisive dont ce printemps confiné aura été le terrain inaugural. Alors, je vais reprendre ce petit passage parce que parfois, on ne comprend pas tout de suite ce que l'auteur veut dire. Je ne sais pas vous si vous suivez plus facilement que moi. En tout cas, Contactner nous dit « Nouvel ordre mondial », un titre qui aurait dû alerter le monde. Donc, je ne vous le fais pas dire, le génie est sorti de la lampe pour y projeter le monde. Merci de tous vos éclairages. Donc, je vais tâcher de vous relire ce petit passage. C'est plus pour moi que pour vous, si vous l'avez déjà compris. Donc, il y a un génie du confinement, pas vraiment au sens où Chateaubriand a pu parler d'un génie du christianisme, même s'il défendait lui aussi l'indéfendable, et même si en changeant deux mots, le projet tel qu'il le résuma en son temps conviendrait plutôt bien. Alors, quels sont les deux mots qui changent ? Léa, ouvrez les guillemets. « Je suis devenu, entre crochets, confiné. Je n'ai point cédé, je l'avoue, à de grandes lumières surnaturelles. » Ma conviction est sortie de mon cœur, j'ai pleuré et, entre crochets, me suis confiné. Alors, quels sont les deux mots qu'il a fallu changer ? Je m'interroge. Non, donc, je suis devenu confiné, je n'ai point cédé, je l'avoue, à de grandes lumières surnaturelles, ma conviction est sortie de mon cœur, j'ai pleuré et me suis confiné. Non, plutôt au sens où il y a de bons et de malins génies, des génies diaboliques et de salutaires génies, au sens où leur face-à-face dans le huis clos du confinement est peut-être le grand affrontement à venir, la bataille décisive dont ce printemps confiné aura été le terrain inaugural. Car plutôt qu'un, il y a ici trois génies au moins. Le malin génie de ceux qui en profitèrent pour accaparer nos vies, faiseurs de lois et imposeurs d'écran, dont on peut dire que s'ils avaient tout fomenté, c'eût été effectivement du génie. Le génie rusé, adverse, de ceux qui en firent l'occasion providentielle de retrouver une prise, de reprendre vie. Et entre les deux, pour tous les autres, le génie indécis, nébuleux, qu'a laissé s'échapper pendant quelques semaines cette lampe du confinement, merveilleuse et terrifiante à la fois. J'ai la faiblesse de penser qu'un peu de croyance dans un peu de magie, un peu d'abandon au sortilège de la suggestion sont requis pour faire sens de ce curieux moment. Alors ça semble rejoindre ce que tu nous dis, Contactaire, hein, le génie est sorti de la lampe pour y projeter le monde. Difficile de dire lequel de nos trois génies emportera la partie, de dire quand le verdict tombera. Difficile en ce 150e anniversaire de la Commune avec un grand C de tirer encore ces constats incertains vers des conséquences désirables, émancipatrices. Il y a eu comme une démobilisation infinie, un passage au non-acte, un refus parfois joyeux, souvent inquiétant, subtil au moins, et même chez ceux qui auraient voulu des lois sanitaires plus strictes, on a vu se défaire sous nos yeux ébahis certains des ressorts les plus profonds de l'obéissance, mais de là à transformer l'essai, le pas est trop grand, un abîme. Car pendant qu'on restait chez nous, les lois répressives s'enchaînaient, le filet policier se resserrait, et ce premier confinement n'aura mené qu'au couvre-feu et à d'autres confinements, climatiques ou financiers, sans que pût encore exulter la force intérieure qui parfois avait pu affleurer à l'abri du huis clos. L'idée insaisissable que voudrait déployer ce livre, il la déploiera sans la brutaliser, sans la percer à jour, en respectant toute l'incertitude. En faisant le tour, selon la vieille méthode picturale de l'anamorphose, variant sur elle les angles de vue et les formes de la prose. J'aborderai ce confinement, en l'occurrence, selon neuf écritures successives, neuf genres littéraires formatés, dont je respecterai moins les codes, mal imités, que les effets de bouger, de trembler, justement, dire presque la même chose, la répétition, sa lancinance sera nécessaire, de toutes ces façons successives et distinctes pour lui conserver son pluriel de possible, et sa richesse de sens, plus sûrement que si on l'avait haché menu avec les arguments tranchés de l'essayiste. 9 variations pour dire que la suspension
de tout permet peut-être enfin de sentir quelque chose, que les amateurs de fin du monde aiment la fin plus que le monde, qu'en étant assigné à demeure, on découvre ce monde de seuil qui relie le dedans au dehors, que la disparition des autres nous le transforme, nous les renouvelle, que loin d'être routine domestique, la vie chez soi peut être la grande aventure, que l'arrêt complet de la machine est possible, qu'on peut y contribuer, qu'un monde privé de monde est une vieille affaire, et peut-être pas une si mauvaise nouvelle, que tant tout s'interrompt, une clarté nouvelle aide à mieux discerner enfin, et qu'on verra bien dans l'avenir ce que ce confinement aura fait de nous, du nous en attendant, on peut aussi s'amuser à l'imaginer. Ces 9 histoires sont des esquisses brèves, ouvertes, des situations ou des réflexions tellement inachevées que j'invite les lecteurs qui par bonheur y trouveraient quelque intérêt à les décliner, les prolonger librement. Donc voilà pour cette présentation du génie du confinement. Alors, il a parlé de, quel mot il a employé, 9 histoires, 9 esquisses. Alors, c'est peut-être le temps de rejoindre. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, ça va être la fin de la lecture de cet ouvrage, mais non sans avoir parcouru, si ça existe, un sommaire. Alors, donc là, on est l'émission numéro 10 de Lisons Ensemble. Et évidemment, on y met la date 24 mars 2021. Voilà pour ce point de repère, de façon à ne pas perdre le fil. La prochaine fois, on parlera sans doute d'une de ces 9 histoires dont il est question, qui s'intitule « On a senti enfin quelque chose, éloge des humeurs incertaines ». Alors, on va voir si dans la table des matières, on peut en savoir un peu plus ou si il faudra attendre un peu plus tard. Eh bien, cette table des matières qu'on n'a pas encore pris le temps d'écrire, ce qu'on va faire sans plus tarder après cette émission. Préambule, que nous a-t-il arrivé? C'est ce qu'on vient de vous lire pour aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, ça sera « On a senti enfin quelque chose », éloge des humeurs incertaines. Ensuite, on aura « Les pipelettes de l'Apocalypse », drame en 2 scènes. On aura « Ode au seuil », poème épique. On aura « Libre bercail », récit naturaliste. « La douce dissipation des hôtes », bribe d'autofiction. « De l'absence de monde », traité acosmique, page 117. Et puis, on doit compter 9 histoires. Alors, on va les numéroter pour qu'on s'y retrouve tout de même. Donc là, on a la première. Hein. On a senti enfin quelque chose. La deuxième, les pipelettes de l'Apocalypse. La troisième, ode au seuil. La quatrième, libre bercail. La cinquième, la douce dissipation des autres. La sixième, de l'absence de monde. Et puis, il doit nous en rester logiquement 2. Et puis peut-être une conclusion, semble-t-il. Alors nous, on aime bien lire les conclusions avant d'y arriver. On va voir si on s'offre ce plaisir. La septième s'appelle « Minute papillon », avec un conte, semble-t-il. Et puis la huitième s'intitule « Aletheia », petite cosmogonie du quoi, du vrai. Et puis la neuvième, alors merci à cette touche qui pour l'instant nous laisse bosser. Voilà, alors on devient, je ne sais plus comment il faut appeler ça, comme si notre pensée que ça pourrait recommencer pourrait déclencher le truc. Neuvième histoire, l'avenir du confinement, nouvelle rétro-futuriste. Donc voilà, alors l'avenir du confinement, dans cette neuvième histoire, il y en a quand même pas mal de pages, donc on ne va peut-être pas s'y lancer. Si ça avait tenu en 2 ou 3 pages, j'aurais peut-être cédé à ma curiosité. Vous voyez, l'avenir du confinement, nouvelle rétro-futuriste. Avec cette citation de François Morel. Pour les jeunes, on est des dinosaures. Ils nous demandent, mais avant, quand ça n'existait pas, les confinements, qu'est-ce que vous pouviez bien faire toute la journée à traîner dehors? Ça, c'est François Morel. Donc, on va s'abstenir de se lancer dans une aventure trop longue, parce qu'on a quand même 2-3 autres bouquins qui nous attendent. Là, on est à 45 minutes d'émission. Voilà. Et pour l'instant, on a réussi à travailler malgré les aléas d'un ordinateur qui, lui, je ne sais pas si c'est le génie de la lampe, mais en tout cas, nous aura sacrement pourri la vie depuis dimanche, tout en y ajoutant, évidemment, cette tristesse dont j'ai du mal à me défaire de la plus ancienne chaîne. Je sais, on a toute notre vie à travailler sur le détachement, mais il faut bien avouer que parfois, on a un peu de mal avec certains événements, tellement on les trouve injustes, qui plus est inattendus. Je m'attendais à quelques craintes pour cette chaîne Pierre 29-200, parce qu'on s'était autorisé, évidemment, à filmer la manifestation à Brest samedi dernier.
Et évidemment, quand on filme comme ça une manifestation pour retrouver des libertés, bah, on dit toutes sortes de choses en commentaire. Donc on se disait, voilà, c'est peut-être là le risque. Ben non, pas du tout. C'était une émission de l'info en question publiée depuis plus de 2 mois, c'est vous dire. Et donc là, évidemment, quand vous êtes à deux avertissements et qu'on vous ressort une vidéo du passé pour justifier le troisième, eh bien, face à ce mastodonte de YouTube, vous êtes complètement démunis et vous avez, comme on le dit, plus que vos yeux pour pleurer. Donc j'ai tâché de l'expliquer assez longuement. Je ne sais pas si c'est très clair pour les gens qui n'ont pas eux-mêmes une chaîne YouTube, mais en tout cas, c'est littéralement ingérable parce que l'avenir nous le dira. Même si vous ne publiez strictement plus rien sur vos chaînes, vous n'avez donc pas l'assurance qu'en faisant le mort, comme on le dit, entre-temps, le temps que vos avertissements soient levés, ce qui prend minimum 3 mois, puis après ça dépend de leur succession dans le temps, donc 3 mois pour chaque avertissement, donc c'est au troisième que vous êtes supprimé, eh bien le temps qu'au moins le deuxième soit levé, ce qui va prendre au bas mot 3 mois, puisque ça démarre du jour où vous le recevez, eh bien vous n'êtes jamais sûr qu'on ne ressorte pas une vidéo de votre passé pour justifier le troisième qui vous vaut la fermeture de la chaîne. Inutile de vous dire que c'est absolument incroyable ce dispositif d'injustice, de formation, enfin de manipulation en fait de votre parole, parce que ça vous pousse évidemment à l'autocensure, on ne sait plus comment présenter les choses. Quand on voit les contorsions que font certaines chaînes pour tenter d'échapper à la censure en rajoutant des points de ci, des tirets de là, des espaces ailleurs, en transformant l'orthographe, enfin bon, où est-ce qu'on va aller comme ça, quoi? Il y a un moment, faut vraiment se questionner, et moi je ne suis pas favorable, même si je les comprends, hein, à tous ces moyens de contournement. Il vaudrait mieux s'unir une bonne fois pour toutes ensemble et de mettre fin à cette dictature numérique, quoi. Donc voilà, génie du confinement, François Cusset. Quand on voit le nombre de milliers d'abonnés que cumulent certaines chaînes, je vous assure que 50, 100 chaînes, mais on serait, sauf à penser que les abonnés des différentes chaînes seraient les mêmes, c'est possible. Pour une partie, on serait rapidement des centaines de milliers de personnes, et là, je suis sûr qu'on pourrait peser, pour peu que ça soit relayé un peu par Twitter et autres réseaux sociaux, voyez, on pourrait mettre au moins un bémol, ce qui serait quand même mieux que de pleurer chacun dans son coin à la perte de sa chaîne ou à jouer sur toutes sortes de contentions pour au final se trouver de fait éjecté et devoir non plus contourner là, mais par la force des choses, envisager d'autres moyens de publication, mais qui à l'évidence restreindront notre visibilité. Donc voilà, c'était Génie du confinement. Je vous ai laissé le temps de mémoriser le titre de ce nouveau livre pour nos émissions de François Cusset. C'était totalement imprévu. On était parti pour acheter 2 autres livres. Et on s'est retrouvé avec ces 3-là. Alors vous allez me dire, c'est lesquels, les 2 autres? Ben écoutez, le temps de les prendre en main, eh bien on a pensé qu'il était temps quand même qu'on réfléchisse un peu à nos moyens d'action. Alors je ne sais pas si on a choisi le bon bouquin. C'est vrai qu'on n'a même pas eu envie de poser des questions sur finalement comment être activiste, parce qu'on le devient de force. Moi, j'ai jamais, contrairement à ce que pourraient penser certains, j'ai pas vraiment l'âme d'un activiste, mais au fond, il faut réfléchir à quels sont les moyens d'action qui pourraient être les plus efficaces. Alors, bien sûr, ce livre, on est méfiant avant même de le commencer, parce que, vous voyez, c'est par la directrice France de Change.org. Alors, bon, on a plus que de grands doutes, évidemment, sur les intentions qui animent, sous couvert évidemment de défense des libertés, de tel ou tel droit, ce qui anime ces systèmes de pétitions, dont quand même pour des centaines ou des milliers de pétitions, seules quelques-unes peut-être infléchiront le cours des choses. Donc on va rester très méfiant tout au long de la lecture du livre, mais on peut penser qu'on va quand même y trouver des idées qui pourraient être utiles pour nous. Donc voilà, Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir. Ça, c'est notre 2e livre, mais on en a, pendant qu'on est dans les livres nouveaux, vous voyez, on est des boulimiques de la lecture, c'est dingue, hein, mais bon, c'est ça dans une émission. On a acheté celui-ci, ça nous a fait une petite fortune quand même, hein, 50 euros, c'est pas rien. À vos masques, 125 euros pour les 3, je précise. Donc celui-ci, évidemment, fait plein d'images. Alors, 19,50 euros. Bon, on a trouvé le moyen d'esquinter un peu le bandeau
en l'ouvrant parce qu'il était sous blister plastique. Bon, s'il est pris, le blister étant très, au lieu d'être lisse, étant très granuleux, bah voilà, en chopant dans la granule, ça a chopé ce qu'il y avait dessous, ce qui est quand même pas futé, vous voyez, en bas là. Mais enfin, bon, un livre n'est pas forcément fait pour rester en parfait état. Toujours est-il que Avomas, eh bien, préface de Cynthia Fleury. C'est une bonne question, Contactaire. Un Contactaire pose cette question, je vous la mets en bas de l'écran. Les réseaux sociaux orienteraient-ils la pensée autorisée? Alors, ça tombe bien, c'est vraiment des questions que pendant que Léna et moi, on traversait le petit bout de chemin qui mène de Recouvrance à la rue Pasteur, là où se trouve la sortie arrière de la librairie Dialogue, c'est des questions qu'on était en train de se poser. Hein, comment, finalement, plus on en apprend sur YouTube, plus on comprend que l'intelligence artificielle vous enferme sans même que vous vous en aperceviez. Parce que, à force de lire des articles sur la censure YouTube, on comprend de mieux en mieux, en tout cas, je vais employer le je comprends de mieux en mieux. Tous ces algorithmes, je ne dis pas que je les devine, mais je comprends au moins une chose, c'est qu'ils nous enferment à notre insu, quoi. Et qu'il n'y a pas pire des manipulations que celle dont le manipulé nie en être la victime, quoi. Je répète la phrase, il n'y a pas pire manipulation que celle où le manipulé nie par lui-même en être la victime, c'est-à-dire pense y avoir échappé alors qu'il est en plein dedans. Et donc j'étais en train d'expliquer que pour ma part, j'avais quand même le sentiment, il y a quelques années, quand j'allais sur YouTube, de vraiment choisir par moi-même de ne pas être véritablement dirigé par l'intelligence artificielle sous-jacente. Mais après avoir lu les derniers décryptages de ce que fait cette intelligence artificielle de YouTube, c'est véritablement de faire en sorte, ça c'est le point crucial, que vous restiez le plus longtemps sur la chaîne YouTube. Et là, je peux dire que pour moi, si je suis honnête, c'est quand même réussi. Dans ces périodes, en particulier de confinement, ça n'a fait qu'accentuer le phénomène. C'est-à-dire je reste de plus en plus captif de cette chaîne. Alors l'été va un petit peu arranger les choses parce que dès qu'il y a le plein air, évidemment, j'ai un équilibre qui revient en moi. La nature m'aide énormément. Mais ceci étant, donc vous voyez, le fait de rester de plus en plus longtemps, ne serait-ce que pour s'occuper de sa propre chaîne, au fond, YouTube est jamais perdant. Soit vous êtes en train, entre guillemets, de consommer les chaînes des autres, soit vous êtes en train de passer un temps fou pour tenter de développer la vôtre, qu'on vous vole aussitôt qu'elle dérange les intérêts. Donc vous voyez bien là le truc, enfin, c'est à la fois le pays de l'absurdité, le pays des intentions non dites, enfin, c'est quelque part le vice absolu, puisqu'il n'y a pas de plus grand vice que lorsque vous êtes victime d'une intention que vous ne pouvez pas percevoir, si vous voulez, à votre modeste niveau. Et qui, au final, c'est vraiment le terme qui, en tout cas pour ma part, me semble le plus approprié, qui vous vole votre vie, quoi. Donc, pour moi, selon moi, alors évidemment, j'entends tous ceux qui eux-mêmes consomment du YouTube, puisqu'ils vont passer par là pour me le dire, mais pourquoi t'arrêtes pas tes chaînes, pourquoi tu fermes pas ton ordinateur, etc., etc., etc. Oui, ben ça, les amis, si vous avez résolu toutes vos contradictions personnelles, vous venez me voir, parce que avant de donner des conseils aux autres, il faut toujours s'assurer qu'évidemment, on a réussi à résoudre le problème dont on prétend donner la solution aux autres, quoi. Sinon, il n'y a pas grand-chose de crédible là-dedans. Alors, pour parler de Avomasque, préface de Cynthia Fleury, il nous faudra un moment pour comprendre la tectonique de l'épisode Covid-19, tout ce qui s'est joué là comme dysfonctionnement et nouveaux usages, comme sidération et avènement d'un autre temps et de régulation et de prise de conscience. Moi, vous l'avez entendu, hein, c'est peut-être lié à cette fermeture qui m'affecte beaucoup de notre chaîne, là, mais pas très optimiste. Hein. En 2020, c'est comme beaucoup de combats que j'ai menés, on s'aperçoit que 10 ans, 20 ans après, le gain est quand même extrêmement minime. Pour autant, je me refuse pour l'instant, peut-être que je changerai d'avis un jour, à penser que ça ne vaut pas la peine de se battre, mais de là à penser qu'il faut se battre en espérant un résultat, ça je ne le pense pas, quoi. Je pense qu'il faut se battre pour être en paix avec sa conscience et en paix avec ses valeurs, ce qui est quand même
À mes yeux, en tout cas, ça c'est aussi une question de valeur, hein, un élément important de la cohérence, je dirais, interne. Quant à attendre un résultat de ces combats, là, je serais beaucoup plus circonspecte. Donc en 2020, la Covid-19 a entraîné le confinement de plus de la moitié de la planète et fait plusieurs centaines de milliers de victimes. Des milliards de personnes ont vu leur quotidien radicalement chamboulé, de façon plus ou moins durable. Depuis le début de cette crise sans précédent, l'association Cartooning for Peace, dont le réseau de dessinateurs s'étend à 67 pays sur tous les continents, a réuni des centaines de dessins de presse qui rendent compte de la situation internationale. Pour cet ouvrage, préfacé par la philosophe Cynthia Fleury et en partenariat avec Amnesty International, 120 dessins ont été sélectionnés, retraçant l'apparition du virus et revenant sur les mois que nous avons traversés avant de nous faire entrevoir le monde d'après. Provenant de tous horizons, ils nous permettent de saisir les enjeux liés à la pandémie, défis sanitaires dont les conséquences politiques, sociales et économiques sont immenses. Les droits d'auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir les dessinateurs de presse menacés. C'est chez Gallimard.fr, ça coûte quand même 19,50 € ce livre. Et donc, on va vous faire pénétrer dans le vif du sujet. Et puis, voilà, une page prise au hasard, à la page 20. Alors, ces dessins, on ne les a pas scannerisés, mais on vous donne un petit aperçu. Et donc, avec une légende au-dessous du dessin. Alors, bienvenue, moi, je... parmi nous, merci de nous rejoindre. Après bien des incertitudes, nous voilà. On avait évidemment tenté d'annoncer l'émission 1h30 à l'avance, mais au moment J ou à l'heure H, rien n'a voulu fonctionner. Bonsoir, bonsoir Pierre, bonsoir le chat, nous dit moi je. Ben écoutez, ça fait plaisir de vous revoir. C'est peu de dire que vous nous avez manqué, hein. C'est un peu ça le piège. Enfin, je ne sais pas si c'est un piège, mais en tout cas, ça peut devenir un inconvénient lorsque c'est la technique qui nous permet évidemment de dialoguer ensemble et d'apprendre à nous apprécier les uns les autres, et que d'un seul coup la technique ne veut plus jouer son rôle, on se retrouve coupé évidemment de ces personnes qu'on appréciait. Alors c'est ce qui nous est arrivé, je ne sais pas si nous on vous a manqué, mais vous, vous nous avez manqué, donc merci d'être là aujourd'hui. Alors voici ce que dit la légende de cet ouvrage. Elle dit ceci: en décembre 2019, la ville de Wuhan en Chine recense les premiers cas de Covid-19. Les deux tiers des malades sont liés au marché aux fruits de mer de Wuhan, où sont vendus des animaux sauvages pour la consommation. Et donc, apparemment, le dessin, ce ferreur, il est, pour son auteur, de Bonnil, vous voyez, Équateur. Et à droite, eh bien, on va avoir deux dessins. Alors, donc, c'est vrai que je vous présente ça dans le plus grand des désordres. Je ne sais pas si ce dessin vous parle. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. Moi, il me rappelle quelque chose. Hein. La plupart ont peut-être posté des dessins empruntés ici ou là. Voilà. Et puis, alors, sur la page d'à côté, je n'ai pas assez de marge de manœuvre avec mon micro. On va essayer de l'éloigner provisoirement. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours correctement. Vous voyez, les dessins d'à côté. Alors, celui du haut, il est de Stelina à Taïwan. On va essayer de... Ah ben, c'est bien, il a... Attends, Stelina, c'est bien ça. Hein. Alors, c'est censé être plus ou moins signé en haut, mais je ne lis pas tout à fait la même orthographe. Alors, voilà, Steliak en haut, et alors qu'à gauche, je lis Stelina, Taïwan. Peut-être, erreur de retranscription, je n'en sais rien. Ouais, voilà ce que ça lui inspire. Et puis on va voir comment l'ouvrage a été organisé. Et puis en bas, s'il arrive à tout mettre à l'écran, voilà, cet autre dessin. Alors là, ceux qui sont en mode podcast, ça va être compliqué pour vous. Là, c'est pas le clavier qui déconne, c'est le bouquin qui appuie sur le clavier. Cet autre dessin de Kazanevski d'Ukraine. Alors, Kazanevski d'Ukraine. Donc voilà, l'adresse mail à l'inscription des réseaux sociaux suffit à classifier les populations et orienter les opinions. En gros, des cases en conscience, les probabilités augmentent pour déjouer. Alors un long message que je vais afficher à l'écran pour déjouer le jeu. Pour déjouer en conscience, les probabilités augmentent pour déjouer le jeu. Voilà, merci pour tes commentaires. Moi, je... Ah, c'est pas moi, je, pardon, je me suis trompé. Merci Contact Terre pour ton commentaire.
Donc voilà, alors je vous laisse admirer encore quelques instants, ça passe toujours trop vite, hein. Les dessins, faut les contempler si on veut s'en nourrir, ça se lit pas vraiment. Qu'est-ce que vous y voyez dans ce dessin? Moi j'y vois une sorte de dragon portant un masque, et puis au-dessous, qu'est-ce qu'on peut y distinguer? Alors c'est quoi? Ça vient d'Ukraine, alors on voit des chapeaux. Même plus leur nom, là, vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui voient le dessin, là. Des chapeaux chinois ou des chapeaux, je sais pas, voilà, avec des petits bonshommes. Alors, est-ce que ce monstre, il plane et on le retient avec des ficelles, ou est-ce qu'on le porte avec des pics? Ça dépend du point de vue. Dites-moi ce que vous voyez, vous, dans ce dessin, pour ceux qui sont avec nous en mode visuel. Voilà, parce que moi j'ai un peu de mal, hein, ce dragon avec des écailles vertes au milieu, porté ou qui tire, non, s'il tirait, les gens seraient pas courbés en bas, donc on a l'impression qu'ils se soumettent au dragon, effectivement, ces milliers de gens qui sont en bas, hein. Dessin que je vous rappelle est lié à Kazanevski, je ne sais pas comment on prononce, Kazanevski d'Ukraine. Voilà pour ces dessins. Écoutez, j'espère que ça vous permet de changer un petit peu, de passer du mode auditif au mode visuel. Alors, en fait, puisque j'ai pris ça, comme j'aime souvent le faire, dans un désordre provisoire, hein, ça s'inscrit dans une partie du livre qui s'appelle « Une pandémie planétaire ». Ce virus est en lien avec les activités humaines, ça c'est les affirmations qui n'engagent que Cynthia Fleury, hein, l'auteur de ce texte. Ce virus est en lien avec les activités humaines et notamment le non-respect des règles sanitaires sur tel ou tel marché asiatique. Moi, pour moi, ça ressemble à un storytelling, mais enfin. Ensuite, la crise se propage parce que nous avons, par nos traités d'échanges commerciaux, fait sauter toutes les digues pouvant contrôler les flux de la mondialisation. C'est une vision du monde, hein, que personnellement je ne partage pas du tout, mais voilà, je vous les lis telles quelles. Contact Terre nous dit, alors je vous remets le schéma maintenant qu'on a, merci de participer à l'émission. La population représente le dragon et les ficelles de la manipulation, c'est pour toi. Bon, alors si vous avez des interprétations différentes, n'hésitez pas à nous les communiquer. Je vous remets comme ça, vous avez à la fois le commentaire de Contact Terre. Merde, j'arrive pas à tenir le bouquin et la souris. Hop, je remets le commentaire et je remets le dessin. C'est pas un schéma, c'est véritablement un dessin. Donc la population représente le dragon et les ficelles de la manipulation. La population représente le dragon et les ficelles de la manipulation. Moi, la population, je la vois en bas. Mais bon, comme quoi, voilà, chacun va le voir à sa manière. En tout cas, merci pour ton commentaire, Contact Terre. Et puis, bienvenue à Paul qui nous rejoint, je ne sais pas d'où, depuis sa salle de traite ou son tracteur. Il est 18h09, alors bon, voilà. Je ne sais pas où tu en es de ta journée, Paul. Paul qui nous rejoint depuis Facebook, hein, donc ça mérite d'être signalé. Alors, malgré les avatars, vous voyez, alors merci à ma machine, hein, j'ai bien oublié de la remercier. Même si c'est des choses bien mystérieuses, j'ai tordu des pièces, j'ai fait des... Alors ça recommence, la folie furieuse des travaux en bas. Je vous dis les amis, il va falloir que je convoque une manif devant chez moi, là, parce que ça commence vraiment à bien faire, quoi. Voilà, à tout moment, ça se déclenche. Et là, c'est plus un problème matériel, hein, c'est un problème de voisinage, quoi. Donc, eux, ils ont le droit de travailler et nous, on a le droit de vivre. Alors, comment on fait en sorte? On n'a aucune annonce de durée des travaux. Il faut qu'on subisse ça jour après jour depuis des semaines, pour ne pas dire des mois maintenant. Donc, voilà. Et quand on se permet d'aller dire qu'il est 10h du soir, on se fait envoyer comme des malpropres. Alors, franchement, il y a un moment donné, on en a ras-le-bol, quoi. Le dragon a une symbolique forte et le peuple en masse aussi, nous dit Contact Terre. Alors, encore une fois, voilà le dragon dont il est question ici, vous le voyez. Voilà. Voilà, alors ça matraque, ça tape sur du métal à l'étage au-dessous. Enfin, c'est la folie furieuse. Je me demande bien ce qu'on peut faire pendant autant de temps dans un F4. Ça fait des mois et des semaines que ça dure, quoi. Donc, on en a vraiment ras-le-bol de ces travaux qui nous pourrissent la vie, quoi. Donc voilà où nous en sommes.
Alors, est-ce que ça ne vous empêche pas d'admirer ce beau dragon? Alors, donc, on a vu que la préface, elle était de Cynthia Fleury. Une préface assez dense et contactaire nous dit « Pas de dictature sans collabo ». Oui, c'est bon à rappeler, quoi. Donc voilà. Alors, donc, du coup, voilà comment se présente le sommaire de ce deuxième ouvrage. La tectonique de l'épisode Covid-19 par Cynthia Fleury. On parlera ensuite d'une pandémie planétaire, la santé à l'épreuve, une vie confinée, la politique face à la crise sanitaire, un impact économique majeur, la planète respire, le rôle des médias d'information, l'après-Covid-19, les droits humains, socle du monde de demain par Amnesty International, index des dessinateurs. Alors évidemment, on est un peu curieux de savoir quels sont ces dessinateurs. Alors, page 140, nous dit-on. Alors, dessinateurs, on ne va peut-être pas pouvoir tous les lire parce qu'il y en a quand même un bon paquet, comme vous le voyez. Alors, certains ont dans ce même ouvrage plusieurs dessins à leur actif. Alors, on y distingue pour les premiers au moins, merci à eux, Antonio du Portugal, Arafa, Shérif d'Égypte, Arès de Cuba, Mikaya de France, page 47 et 115. Allez, on va faire un petit coup de cocorico, là. Page 47 et 115, Mikaya de France. Alors, voyons voir ce que ça donne. Page 47 et 115. Voilà pour Mikaya de France. Alors, Mikaya de France, il nous parle en espagnol, si je comprends bien. Estoy harto, quelqu'un sait traduire. No soporto el encierro, je ne connais pas du tout l'espagnol. Y mi mujer me vuelve loco. Y las sesiones virtuales son un conazo. Voilà mon peu de connaissance de la langue. Tranquilo, doctor, yo estoy re bien. Alors, ah oui, donc si je comprends bien, les questions sont posées du médecin au patient par un ordinateur, le patient est allongé sur son lit, et l'autre lui répond « Soyez tranquille docteur, moi je vais très bien », voilà ce que je peux en comprendre. Puis au-dessous, vous avez, alors c'est lequel le français au final? Ah bah oui, forcément, j'ai commencé, désolé, j'ai commencé par lire en fait « L'Angers d'Argentine », j'avais pas vu qu'il y avait deux dessins sur la même page. Alors le médecin dit « Je n'en peux plus, je ne supporte pas le confinement ». Alors, c'est peut-être pas un médecin. Si, apparemment, « Je n'en peux plus, je ne supporte pas le confinement. Ma femme me rend fou et les séances virtuelles me font chier ». Voilà ce que dit le médecin à son patient. Et l'autre lui répond « Du calme, de l'air, docteur, moi je vais très bien ». Bon, voilà, c'est sympathique. Finalement, on est tombé sur un dessin agréable et qui, en tout cas, me donne le sourire. Et puis, au-dessous, peur virale, alors voilà, de Mikaya France, j'espère que je ne vais pas refoutre mon clavier dans la panade. « Docteur, j'angoisse terriblement à l'idée d'une deuxième vague du virus. » Et le médecin qui est dans une combinaison pas possible, vous voyez, avec masque et puis combinaison totale, quoi, gel hydroalcoolique à côté, lui répond par écran interposé « Arrêtez d'être parano. » C'est génial, l'exemplarité, quoi. Donc, peur virale, ça s'intitule ce fameux dessin. Voilà, ça fait du bien de rire, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on en a un peu marre, toutes ces conneries. Donc voilà, je crois que... Moi, je compte beaucoup sur les humoristes pour m'aider à garder le sourire, ou ceux qui arrivent à raconter des histoires drôles. Donc, vous voyez, tout n'est pas perdu pour moi, puisque j'arrive encore à sourire. Tant qu'on arrivera encore à sourire, à mon avis, on restera des gens dangereux pour tous ces imposteurs qui veulent nous emmener en enfer avec leurs conneries. Mais bon, c'est vrai que... voilà, la crise du coronavirus et ses conséquences vues par les dessinateurs de presse du monde entier. Donc un petit livre qui, j'espère, va nous faire sourire ensemble. Alors, il dispose d'une préface assez conséquente. On va s'y lancer aujourd'hui dans cette aventure. Donc là, il est 18h15, vous voyez, Cynthia Fleury, la tectonique de l'épisode Covid-19. Alors j'espère que le fait de prononcer ce mot ne va pas nous faire censurer l'émission. Je vous rappelle que sur Brest Bol 5, malgré nos peu d'abonnés, hein, merci à tous ceux qui sont là, mais c'est vrai que vous êtes 420, je ne sais plus, abonnés, et que notre chaîne, on n'arrive pas à la faire décoller. Il nous en faudrait au moins 1000 pour avoir un petit peu le plaisir d'avoir un onglet communauté qui peut-être
peut aider dans certains cas la chaîne à gagner un peu plus facilement d'abonnés en prenant moins de risques. Ça reste à vérifier, hein, parce qu'on ignore tout des modalités de l'intelligence artificielle qui nous vaut toutes ces censures, en postant un peu plus en communauté et un peu moins en vidéo. Mais voilà où nous en sommes. Mais concernant la fermeture de Pierre 29-200, on avait tellement bastonné sur la communauté que on suppose que tout de même, si la communauté s'avère trop critique, voire virulente à l'égard de la situation sanitaire, on cherche un prétexte dans les vidéos parce qu'il n'y a pas vraiment de système d'avertissement sur la partie communauté des chaînes YouTube. On cherche donc un prétexte dans les vidéos, quitte à en ressortir une qui date de 3 mois, 6 mois, 1 an, pour justifier la fermeture de la chaîne. De toute façon, on en est réduit à des conjonctures, puisqu'évidemment, en face, à part un formulaire que bien évidemment vous remplissez pour manifester l'injustice dont vous pensez être la victime, c'est tout ce que vous avez face à YouTube, qui écrit lui-même ses propres lois, exactement comme le font nos représentants. On vit dans un monde merveilleux. Alors, Cynthia Fleury nous dit ceci en début de cette sorte de, pas vraiment de bande dessinée, mais de collecte de 120 dessins de presse. Eh bien, elle nous dit ceci, Cynthia Fleury, dans cette introduction intitulée « La tectonique de l'épisode Covid-19, deux fois en moins de 3 minutes ». Ah là là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'écriture collective de l'événement via les journaux de confinement, les articles scientifiques en temps réel et bientôt l'analyse secondaire des différents documents qui seront parus durant cette période si particulière de la pandémie planétaire et du confinement comme réponse quasi unanime dans le monde. Et il y a le dessin, entre guillemets, collectif de l'événement, ou comment les dessinateurs, plus spécifiquement ceux des presses régionales, nationales et internationales, se sont saisis de, entre guillemets, ce qui arrive, et de son caractère, entre guillemets, inédit, plus ou moins surprenant, donnant lieu aussi à des relents archaïques bien connus. Les leçons de la Covid-19, acronyme pour Coronavirus Disease Maladie, sont immenses, et la première d'entre elles est que la vérité, placée entre guillemets, de cette crise mondiale n'est pas encore advenue. Cette vérité, cette signification, sont devant nous, futures. Elles délivreront leur substantifique moelle. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, nul ne le sait, l'accélération que connaît l'histoire avec un grand H est grande, et en même temps, ces boucles de rétroaction n'en sont pas moins puissantes. Nous aurions pu tous attendre d'avoir raison dans X années, mais la parole joue plusieurs rôles. Elle permet aussi, par approximation successive, de cerner la signification de ce « réel », entre guillemets, du moins de le façonner, tant le réel est plus vaste que toute interprétation conjoncturelle. La verbalisation sert aussi à faire bloc, à produire de la résilience, à montrer que nous ne sommes pas que sidérés, mais au travail pour comprendre l'événement et trouver des solutions. Notre logos est ce qui définit notre humanité au sens d'humanisme et pas simplement notre orgueil ou manque d'humilité. Par le langage, nous faisons corps et fraternité, même si l'une des leçons de ce moment épidémique est que est ce que beaucoup ont nommé l'infodémie. Alors, partie 1 du livre, ce que beaucoup ont nommé l'infodémie, ou la démultiplication, l'inflammation délirante d'informations erronées liées à l'histoire naturelle et sociale du virus. Alors, voyons si on arrive, avant de poursuivre, à aller à la partie 1 de l'ouvrage. On essaye de comprendre comment il a été construit, organisé, parce qu'évidemment, en chaque livre, il y a quand même... Voilà. Alors, je suppose que ça, c'est la partie 1. On aurait peut-être dû chercher s'il y a une table des matières. Alors, à part la liste des dessinateurs, est-ce qu'il y a une table des matières? Ben, pour l'instant, on ne la voit pas. Je vous montre pendant ce temps, histoire de varier un peu, les plaisirs, le dernier dessin, voyez, du bouquin. Je trouve qu'il ne manque pas d'humour non plus, si vous arrivez à le voir. Je suis en train d'accrocher le micro, je ne sais pas ce que ça fait comme bruit. Does not come easy. Alors on voit le virus tenu en laisse comme un chien, et puis quelqu'un qui marche avec le globe en guise de tête, quoi. Et puis des vêtements dont les pantalons sont arrachés niveau mollet, quoi.
La Corée du Nord a débarqué sur les réseaux sociaux avec le forum économique de Camp Davos, nous dit Contact Terre. Quoi qu'il en coûte, il n'y a pas d'argent magique, nous dit Moi-Je. Alors, ça, c'est le dernier dessin du bouquin. Alors, vous voyez, je picore aujourd'hui, hein, après cet épisode où ce démarrage vraiment tout ce que j'aime le moins, c'est-à-dire quand je propose une émission, j'aime qu'elle soit à l'heure et que ça démarre dans de bonnes conditions, ben là, ça a été tout l'inverse. Alors, vous voyez, là, à vos masques, 120 dessins de presse, ça vaut le coup quand même. Alors, je vais peut-être enlever le bandeau, là, pour profiter complètement de ce joli dessin, enfin, joli dessin, c'est pas le mot, mais en tout cas, du dessin du première de couverture. Hein. Donc, si vous cherchez des dessins avec masque, ben, ce première de couverture, là, une petite découpe, et ça va vous fournir la matière. Hein. Pas si on ne referait pas le bandeau de notre chaîne avec ce dessin, parce que vous voyez, il y a un format plutôt allongé à l'horizontale. En tout cas, voici quelques idées. À vos masques. Donc voilà, ça c'est le titre de ce bouquin. Et c'est un pamphlet, c'est trop tôt pour le dire, je crois pas. Mais en tout cas, j'espère qu'il va nous donner le sourire. Alors on en était arrivé à tenter de cerner s'il y avait une partie 1 dans ce livre, puisque c'est ce à quoi fait allusion comment dirais-je, la préface. Alors il y a un petit doigt qui dirige vers 01. 01, sauf que ce 01, on a beau tourner les pages, hein, on le cherche pour l'instant, on le cherche. Alors, il va falloir faire des déductions, à moins que ça soit, le dessin 01, ça serait peut-être plus probable. Voilà. Alors, attendez, est-ce qu'il se présente deux fois ou qu'une fois? On va voir, parce qu'ils sont peut-être un petit format pour commencer. Alors, comment sont... Non, ils ne sont pas numérotés, les dessins. Alors, du coup, voilà ce à quoi faisait allusion le 01. Alors, on essaye de comprendre comment que ça marche, hein, la mise en page. Alors donc, par le langage, nous faisons corps et fraternité, même si l'une des leçons de ce moment épidémique est ce que beaucoup ont nommé l'infodémie. Et là, c'est là qu'arrive le dessin 01. Le voici, le voilà, accrochez-vous, les amis. L'infodémie. Alors, l'infodémie, avec comme commentaire Zach, Z-A-C-H des Philippines, réseaux sociaux, désinformation, internautes. Alors, on y voit, vous voyez, une sorte de portable ouvert sur lequel il y a écrit social media sur l'écran. Et au-dessus, mes informations. Pour ma part, je regrette qu'on entame d'entrée de jeu ce livre avec de la misinformation comme étant l'apanage des internautes plutôt que des gouvernements. Ça, vraiment, c'est plus qu'un scandale. Mais enfin, donc déjà, voilà, ça me fait plein de commentaires critiques sur ce livre. Alors après... oui, il y a marqué dans le premier virus, là, à nouveau, comme si on n'avait pas compris, à nouveau, misinformation, voilà, et puis netizens, un type avec les mains sur la tête, apeuré, évidemment. Alors, soi-disant, ça serait les internautes qui auraient fait peur, si je comprends le sens de ce dessin, à la population. Là, il ne faut quand même pas pousser les amis, quoi. Hein. On aurait préféré qu'on laisse ça un peu de côté, quoi. Hein. Les gouvernements s'en occupent déjà largement suffisamment. Toujours est-il que, par le langage, nous faisons corps et fraternité, même si l'une des leçons de ce moment épidémique est ce que beaucoup ont nommé l'infodémie ou la démultiplication, l'inflation délirante d'informations erronées liées à l'histoire naturelle et sociale du virus. Alors pour moi, ceux qui ont l'apanage du délire, hein, et de l'information erronée, c'est évidemment les masses médias et nos gouvernements, hein, parce que continuer à prétendre qu'il n'y a pas de traitement pour justifier un vaccin qui n'a pas terminé sa période de test et qui donc n'a pas le droit d'être diffusé en l'état, sauf à admettre légalement qu'il n'y a aucun traitement disponible, on comprend bien que là, c'est une supercherie d'une grandeur que je ne sais pas qualifier, quoi. C'est vraiment la couillonnade des couillonnades, quoi. Et pendant tout ce temps-là, dès lors qu'on se permettra de nommer des traitements sur YouTube, on sera censuré, quoi. Et une fois les chaînes disparues, elles ont disparu, hein. On ne va pas recréer tout ça. Donc, il y aura eu des milliers de gens bâillonnés et pire, tués, ou d'autres qui auront perdu un travail auquel ils tenaient. Et voilà où nous en sommes, quoi. Alors,
Donc, ce passage-là ne me convient pas du tout. La démultiplication, l'inflation délirante d'informations erronées liées à l'histoire naturelle et sociale du virus, il y aurait beaucoup à dire. Mais nous pourrions également donner une définition autre de l'infodémie, évidemment, mais on y vient que dans un second temps. J'aurais préféré qu'elle inverse sa procédure. Mais nous pourrions également donner une définition autre de l'infodémie en considérant que les nouvelles liées au virus ont littéralement contaminé tout l'espace public d'information. Ben oui, mais c'est par là qu'il faut commencer. Ne laissant aucune place là-dessus, je suis entièrement d'accord, au réel, avec un grand R, hors Covid. Moi, j'estime qu'on nous vole notre attention, notre joie de vivre et la liberté de notre pensée en la concentrant de fait sur ce, pardonnez-moi, P, trois points de suspension, de virus, comme si ce dernier avait soudainement disparu. Laissant aucune place au réel, hors Covid, comme si ce dernier avait soudainement disparu. Les leçons sont complexes car certains penseurs considèrent même qu'il n'y a peut-être pas eu événement, enfin on y vient, et que c'est, mais il y a le peut-être, hein, vous remarquerez les précautions oratoires, et que c'est notre délire, entre guillemets, notre refus de la mort fantasmée comme risque quotidien, notre vie désormais dessaisie de tout sens de l'historicité qui ont produit l'événement comme si celui-ci n'était qu'un trompe-l'œil. On a parlé de signe noir pour le définir, pour immédiatement considérer qu'il n'en était pas un, qu'il avait été maintes fois prévu, sans oublier le fait qu'il y a eu par le passé des épidémies bien plus dévastatrices. La surréaction généralisée a été le véritable signe noir. Mais la faute à qui, hein, là, ces surréactions? Ce que personne n'avait anticipé, tant l'idéologie du confinement total est antinomique de la mondialisation des échanges commerciaux et du régime non liberticide des États de droit. Pourtant, la planète entière s'est étendue sans se coordonner, eh ben voyons, pour confiner de façon plus ou moins stricte et biologiser la vie sans le dire explicitement. Mais attendez, ils nous prennent vraiment pour des cons, hein, comme s'il n'y avait personne qui avait orchestré le truc. Car telle est l'autre grande leçon de l'épisode Covid-19, le plaidoyer pour la vie a été prôné de manière quasi unilatérale, et ce avec la meilleure des intentions, protéger la vie des hommes et notamment celle des plus vulnérables, nos aînés. Ça c'est ce que j'appelle les intentions paravent, hein, c'est-à-dire les fausses intentions. Mais cette stratégie du tout sanitaire, de l'imposition de normes sévères, non différenciées, de confinement a provoqué très vite un renforcement des vulnérabilités, voire la page 48, l'adage aristotélicien, c'est rappeler à nos mémoires toute norme parce que trop générale est discriminatoire et nécessite dans une approche jurisprudentielle, peut-être pour être précisément juste, c'est-à-dire équitable. Alors donc, je reprends. L'adage aristotélicien, c'est rappeler à nos mémoires toute norme parce que trop générale est discriminatoire et nécessite donc une approche jurisprudentielle, ce mot m'embête, pour être précisément juste, c'est-à-dire équitable. Autre leçon plus contemporaine, de Michel Foucault à Giorgio Agamben, le plaidoyer pour la vie ne peut être divisible, placé entre guillemets. Le premier parle de biologisation de la vie, de bioéthique du pouvoir, le second parle de vie nue, ou comment, par une naturalisation extrême, on détruit la vie. Je préfère, pour ma part, parler d'invisibilité de la vie. En effet, à partir du moment où nous divisons l'indivisibilité de la vie, nous la mettons en danger, nous libérons sa dimension mortifère. Si l'existence est supportable pour l'homme, c'est qu'il a la possibilité de lui conférer une valeur qu'il fabrique symboliquement, économiquement, démocratiquement, culturellement, spirituellement, et non qu'il se soumette à la seule tutelle de la vie biologique. Et non qu'ils se soumettent à la seule tutelle de la vie biologique. Certes, celle-ci est matricielle, mais pas à n'importe quel prix. Toute la complexité de l'existence humaniste des hommes réside ici, dans la défense imperturbable de l'indivisibilité de la vie. Nous avons tous été meurtris par le fait de ne pouvoir honorer comme il se doit nos morts. Certes, certains ont inventé le passage téléprésentiel vers l'au-delà. Alors là, c'est le dessin numéro 2. Le passage téléprésentiel vers l'au-delà. Et voici à quoi ça ressemble, ce dessin. Donc, confinement, les obsèques bouleversées. On y voit un cercueil avec des chaises rassemblées devant au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sauf erreur. C'est bien ça. Et sur chaque chaise, un smartphone format portrait, n'est-ce pas, avec un membre de la famille, je suppose, ou des amis
du décédé, quoi. Voilà, c'est évidemment macabre par définition, et c'est un dessin de Plop Anne KNKR, donc de France. Plop KNKR, je ne sais pas comment il faut prononcer ce nom du dessinateur. Donc je vous laisse l'apprécier quelques instants. Confinement, les obsèques bouleversées. Enfin bref, c'est vraiment, selon moi, de la mise en scène, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Une TV aurait été plus réaliste que l'écran d'un ordinateur, nous dit Paul. T'as changé ton bandeau, dirait, hein, Paul. Voilà, une TV, non, peut-être pas, je ne sais pas. Une TV aurait été plus réaliste que l'écran d'un ordinateur, et puis contactaire, après des cotons-tiges qui s'introduisent dans tous les orifices pour faire des prélèvements, ne reste plus que la pensée à introduire. Oh, j'ai bien peur qu'elle soit introduite depuis longtemps, mais bon. Et puis contactaire nous dit encore, bravo pour tes petites icônes, c'est affiché sur ma TV et j'en fais profiter mon voisinage. Ben, merci à toi, contactaire. J'ai oublié le prénom qui correspond à ton pseudo, je m'y mélange. Là, j'avais commencé un tableau de correspondance des différents pseudos, parce que suivant que vous êtes sur YouTube ou ailleurs, parfois vous avez l'esprit coquin de changer de pseudo. Alors évidemment, avec ma mémoire en gruyère, j'en retiens plus ou moins bien. Donc, contactaire, est-ce que c'est Marie, contactaire, ou Winmarie, parce que j'en ai sans doute plusieurs dans mes émissions. Donc, bref, tu réponds si tu veux, bien évidemment. Donc, voilà où nous en sommes pour ce dessin numéro 2. Vous voyez, confinement, les obsèques bouleversées. Donc, finalement, grâce à cette. David, excuse-moi, contactaire, si je mélange les filles et les garçons, ça ne le fait plus. Voilà, David, ben écoute, merci pour le prénom. Il faudrait que je le note tout de suite. Alors, je vais prendre un petit crayon et un papier, puis je mettrai à jour ma table correspondance prénom et pseudo après l'émission. Alors, sinon, j'arrive plus à gérer maintenant qu'on stream sur plusieurs endroits à la fois. Je vous dis pas le bordel, hein. Surtout quand Barnevla, qui est là, nos plus fidèles auditeurs, qu'on a dû perdre, parce que je l'avais vu au début, puis il a disparu quand notre émission, on a dû l'interrompre. Alors Barnevla, lui, c'est Emmanuel. Alors vous voyez un peu le truc, quoi. Et puis contactaire, ben, il se trouve, alors merci David, c'est toujours plus sympa pour nous d'arriver à suivre de plateforme en plateforme, quand c'est la même personne, c'est quand même mieux. Voilà, ok, et ben merci David. Donc, pour tes réflexions. Je vous ai montré juste avant les confinements, les obsèques bouleversées. Alors, c'est vrai que ça y est, j'ai un peu compris la logique au moins de la préface. Vous voyez, il faut parfois retourner la page en arrière pour revenir à la référence de l'image qui est finalement qui est visée par la préface. Alors, après cette image intitulée Confinement, les obsèques bouleversées, je poursuis cette préface. Pour autant, ça va être très visuel finalement. Une société qui faillit là-dessus n'a aucun avenir, hein, sur la question des enterrements, j'ai envie de dire virtuels, qui n'ont rien de virtuel pour les personnes, hélas, qui ont perdu un de leurs proches, hein. Cette légitimité anthropologique, cette légitimité sacrale d'accompagnement vers le transcendant, que celui-ci soit religieux ou profane, cette cérémonie de la finitude qui devient de l'ailleurs, nous constitue, nous fait communauté humaine. Alors, Paul qui nous commente, hier j'ai eu une amie qui est passée hier me voir. Hier j'ai eu une amie qui passait hier me voir. Sa mère est en EHPAD, hélas, elle n'est pas piquée, n'a pas le droit de sortir à l'extérieur, alors que les autres piqués ont droit à un délice de chantage. Merci de partager, non pas que ça soit rigolo, mais voilà, il faut faire face à la vérité telle qu'elle est. Donc, plus on est nombreux à relater ce qui se passe partout, et plus, je l'espère, nous serons aussi nombreux à nous réveiller contre l'inacceptable, à moins que certains aient déjà baissé les bras. Moi, ma foi, je vous l'ai bien expliqué, je ne suis pas sûr que agir ait vocation à produire un résultat, hein, tellement nous sommes trop peu nombreux, me semble-t-il, à vouloir agir, ou peut-être pire encore, et j'en fais partie bien évidemment dans ce cas-là, à ne pas réussir à nous unir. J'ai pas trouvé la clé
comment réunir. On voit qu'on est des nombreux youtubeurs à bosser, mais malheureusement bien trop dans notre coin. Déjà pour en inviter un autre sur sa propre émission, dans mon expérience, ça s'avère très compliqué. Peut-être que ça vient de ma personnalité, c'est pas le sujet. Mais vous voyez, donc faire l'union, réaliser l'union. Évidemment de ceux qui dénoncent les injustices et qui ont envie de sortir de cette situation, ça s'avère pas simple, d'autant plus que le masque représente le bâillon absolu. Alors déjà, moi, c'est un des points de blocage essentiels. Aller manifester avec un masque, c'est hors de question. Donc voilà où on en est, mais certains sont plus souples. On l'a pu le constater samedi dernier sur la place de la Liberté à Brest. Alors ceux qui n'ont pas mis le masque, évidemment, ont été les victimes de centaines de colibets sur le groupe Tu es de Brest si Facebook. C'est vraiment, pardonnez-moi, mais c'est l'horreur, ce groupe, puisqu'on y trouve entre autres choses comme adhérents, voisins vigilants qui sont pas réputés pour faire preuve de solidarité, mais plutôt de complicité avec les pouvoirs, de prétendre dénoncer les mauvais citoyens. Enfin bon, c'est vraiment, je trouve plus le mot, hein, sous l'occupation, vous savez le mot que ça avait, bah c'est ça quoi. Donc voilà, pour autant, une société qui faillit là-dessus, donc c'est question du droit bien légitime qu'on a d'aller dire au revoir à ceux qui nous quittent au moment de la mort, du décès, et bien qui nous ont été confisqués, hein, c'est quand même assez incroyable. Donc pour autant, une société qui faillit là-dessus n'a aucun avenir, nous dit l'auteur. Cette légitimité anthropologique, cette légitimité sacrale d'accompagnement vers le transcendant, que celui-ci soit religieux ou profane, cette cérémonie de la finitude qui devient de l'ailleurs nous constitue, nous fait communauté humaine. La série des autres leçons de la Covid-19 renvoie à notre consentement au liberticide, notre docilité, diront certains, dont je fais partie, je le précise, notre abdication consensuelle devant la restriction de liberté, en fait notre insatiable besoin de sécurité. Ça c'est vraiment scandaleux d'en être à ce point-là, de confondre, pour la majorité de nos concitoyens, évidemment ça c'est moi qui commente, la sécurité intérieure avec la sécurité que prétendument pourrait nous apporter un gouvernement. Ça c'est vraiment un piège dingue. Alors David nous dit, les plus fragiles subissent des persécutions et un chantage aux libertés, soyons forts pour les faibles. C'est vrai. Les persécutions, je remets ton commentaire. Voilà, les plus fragiles subissent des persécutions et un chantage aux libertés, soyons forts pour les faibles. Ouais, tu as raison, je suis d'accord avec ça. Donc, la série des autres leçons de la Covid-19 renvoie à notre consentement au liberticide, notre docilité, diront certains, notre abdication consensuelle devant la restriction de liberté, en fait, notre insatiable besoin de sécurité, notre intolérance au risque et le fait que le quantitatif a depuis longtemps pris le dessus sur le qualitatif dans nos manières de vivre. Risque donc de banalisation de l'état d'urgence et d'exception. Alors, par contre, bien d'accord avec la formulation de ce paragraphe. Et là, ça nous vaut un dessin qui est précisément le numéro 3. Le voici, j'espère qu'il vous parlera. Vous voyez donc quelqu'un qui semble tenir en main la flamme de la liberté avec une sorte d'inscription sur le bras, démocratie, CY à la fin. Et puis en face, au-dessus de cette flamme, le virus, en fait, ou représenté comme tel, qui souffle sur la flamme, qui souffle sur la flamme. Ce dessin, il est de Steph de Thaïlande. Il est intitulé Démocratie. Ils sont intéressants ces dessins. On va prendre le temps certainement d'aller partager un peu plus amplement et de faire connaître ce livre qui le mérite. Moi, je vous encourage, si vous avez évidemment les finances nécessaires à soutenir ces dessins. Vous savez qu'une image, ça vaut 100 000 mots. Donc c'est le dessin numéro 3. Voilà, je vous laisse l'apprécier. Hein, le virus souffrant sous la flamme tenue à bout de bras.
sur le flambeau, si vous préférez, de la démocratie. Alors, risque donc de banalisation de l'état d'urgence, c'est ce qu'illustre ce dessin, et d'exception, rapidité à basculer dans la bien-surveillance, le « sur » étant placé entre parenthèses, donc un mot, on hésite à lire « bienveillance » ou « bien-surveillance », et très rapidement la surveillance tout court, à basculer dans la bienveillance et très rapidement la surveillance tout court. Bref, comment collectivement nous avons tendance à accepter de nous dessaisir de nos droits, alors là il parle pour les autres, hein, dans l'optique de mieux nous sécuriser sans pour autant qu'il y ait une charge de preuve pour cette stratégie de sécurisation, je le rappelle. D'emblée, nous lui donnons full crédit à cet idéal de protection, à ce souhait infantile de pouvoir tout maîtriser, et surtout à ce refus de la mort qui frise le déraisonnable. Alors, le commentaire de Paul sur ce dessin, c'est le porte-flambeau de la résistance. Alors, d'emblée, nous lui donnons full crédit à cet idéal de protection, à ce souhait infantile de pouvoir tout maîtriser, et surtout à ce refus de la mort qui frise le déraisonnable. Pour cela, nous sommes prêts à tous les asservissements de la vie. Tous, non, je suis moi-même caricatural en le laissant croire. Seulement, tels sont l'art et l'utilité de la caricature, dénoncer un biais de la société en augmentant son outrecuidance, en le faisant devenir un trait de la commedia dell'arte. La caricature est toujours une occasion pour pointer du doigt une réalité, parfois infinitésimale, mais terriblement symptomatique. Alors vous voyez ce dessin, on va bientôt y arriver je pense. Nous, terriens, nous avons pensé pouvoir fermer le monde, donc ça sera à voir page 27, rien de moins, fermer la terre avec un grand T, arrêter les flux sans nuance aucune, à juste titre pour les flux de transport, notamment les avions, car c'était offrir au virus un voyage all inclusive. Donc ça c'est l'objet de ce fameux dessin numéro 4. Intitulé charge virale, viral load, avec un avion dont chaque passager serait réduit au fait qu'il pourrait ou qu'il porterait le virus. C'est un dessin de Brandam d'Afrique du Sud. Donc je vous laisse en compagnie de ce dessin. Je ne sais pas si je peux l'agrandir parce qu'évidemment la caméra elle est fixée à l'écran de mon portable, voilà, donc je fais ça. Est-ce que la mise au point reste bonne? Pas trop mal. Donc je vous relis le petit passage qui a précédé l'arrivée à ça. Pour cela, nous sommes prêts à tous les asservissements de la vie, tous, non, je suis moi-même caricatural, en le laissant croire, seulement tels sont l'art et l'utilité de la caricature, dénoncer un biais de la société, en augmentant son outrecuidance, en le faisant devenir un trait de la commedia dell'arte, la caricature, est toujours une occasion pour pointer du doigt une réalité, parfois infinitésimale, mais terriblement symptomatique. Nous, terriens, nous avons pensé pouvoir fermer le monde. Alors là, ça se réfère à la page 27. Alors la page 27, désolé, hein, ça fait faire pas mal d'allers-retours, toute cette histoire. Voilà, la page 27, voilà. Vous voyez, closed, voilà, closed, alors c'est l'Italie là qui serait fermée, semble-t-il, si j'en crois, alors le dessin fermé, bah oui, il est Nardi, Italie, donc je dois avoir bon, et puis le dessin du dessous, alors là j'ai vraiment trop fermé mon truc, du coup j'ai plus de champ, le dessin du dessous, alors du coup j'ai perdu ma page, c'est pas simple hein, ce bouquin à lire, voilà, le bouquin du dessous s'appelle Quarantinode, c'est aussi un dessin, alors qu'on doit Quarantinode à Rodriguez du Mexique, d'après le tableau La naissance de Vénus de Sandro Botticelli. La quarantaine, le 10 mars 2020, l'Italie est le premier pays à instaurer un confinement total sur tout son territoire. Les autorités font alors état de 827 morts et 12 462 cas détectés. Voilà, j'espère que vous appréciez en tout cas le talent, que, si ce n'est du dessin, mais des dessinateurs évidemment. Voilà, image et son parfait pour moi, nous dit David, merci à toi. La statue de la liberté est décédée du Covid, mais par peur de contamination,
est décédé du Covid, mais par peur de contamination, vous ne pourrez la visiter. Alors, merci en tout cas pour vos commentaires. Voyez l'image précédente, hein, je vous lis ce bouquin en diagonale, comme on dit, le coronavirus se propage en Iran. Alors, j'en étais arrivé au renvoi vers la page 27. Alors, nous, terriens, nous avons pensé pouvoir fermer le monde, c'est ce que je viens de vous illustrer par ces dessins de la page 27. Rien de moins, fermer la terre, arrêter les flux sans nuance aucune, à juste titre pour les flux de transport, notamment les avions, car c'était offrir au virus un voyage all inclusive. Alors je ne reviens pas sur ce dessin, hein, ça, je vous l'ai montré longuement. Mais il y a aussi les autres flux humains au sens de notre vie sociale et de proximité dont nous avons tant besoin pour maintenir notre résilience collective. Nous nous sommes barricadés dans les maisons. Et ça, c'est illustré à la page 30. Voilà là, comment nous nous sommes barricadés dans les maisons. Le virus au milieu, semble-t-il, et puis voilà, les maisons de toutes les couleurs réduites à des toits plats et puis de forme plutôt cubique, hein, à une exception près. Donc là, je viens d'illustrer par le dessin de la page 30. Nous nous sommes barricadés dans les maisons, métaphore guerrière oblige, même si celle-ci est assez inopportune, tant l'épisode ne nécessite nulle guerre, mais précisément l'inverse des valeurs martiales, trois points de suspension. L'envahisseuse Covid-19, page 29, donc n'a rencontré aucune résistance dans les métropoles confinées, et notre chère liberté s'est retrouvée en convalescence. Alors on va regarder l'envahisseuse Covid-19, page 29. L'envahisseuse Covid-19, page 29. À force de répéter ça, je ne suis pas sûr que l'émission va pouvoir rester en place, et pire, la chaîne va sauter. Donc voilà où on en est, hein, avec ces saloperies d'intelligence artificielle qui distinguent que dalle. Donc voilà. Donc vous voyez, ça représente, je ne redis pas une énième fois, parce que là, voilà, j'en ai déjà assez dit, l'envahisseuse, COVID, et vous savez quoi. Donc voilà, page 29. En France, face à l'augmentation. Là, je vous laisse lire. Emmanuel Macron annonce un confinement national le 16 mars 2020. Voilà comment c'est représenté par qui ? Au CQR de Belgique. Au CQR de Belgique. Alors, je vais arrêter de faire ces allers-retours parce que là, on s'en sort plus. N'a rencontré aucune résistance dans les métropoles confinées. Notre chère liberté s'est retrouvée en convalescence. Page 33. Alors, cette introduction brille par, voyez, les allers-retours qu'il faut faire. Et là, voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est un dessin de côté Canada. Plusieurs mois après l'irruption de la pandémie, les États-Unis se hissent au premier rang mondial du nombre de victimes. Donc, vous voyez, bip, 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 un malade intubé et l'appareillage, une dominante ou une quasiment, l'image au complet en noir et blanc. On voit un malade allongé, intubé, et que des appareillages autour de lui, y compris des perfusions. Voilà pour l'image, bip, 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 bip. Voilà, avec la légende indiquant plusieurs mois après l'irruption de la pandémie, les États-Unis se hissent au premier rang mondial du nombre de victimes. Donc, image toujours référencée, si je puis dire, dans l'introduction. On va arrêter de faire les allers-retours parce que là, on va y être encore demain à ce rythme-là. Il y a tous ces dessins qui racontent le quotidien avec le risque pandémique, la vie confinée, la mobilisation des soignants, celle des citoyens voulant être utiles tout en faisant parfois des choix saugrenus mais à l'instant justifiés. Hélas, page 42, où comment nous avons tous vécu cette vie désordinaire, comme j'aime aimer l'appeler, pour témoigner de ce mélange d'ordinaire et de désordre, d'incongruité et d'ingéniosité, comment chacun a porté sur ses épaules une charge qui n'avait rien de strictement mental,
Encore une référence à un nouveau dessin, c'est dommage, hein, c'est intéressant de les voir à chaque fois. Alors, je sais pas. Comment chacun a vécu ses jours et ses nuits. Alors ça, c'est le dessin numéro 5, il n'y a pas besoin de chercher, puisqu'il est inclus dans le texte d'introduction. Vous voyez comment chacun a vécu ses jours et ses nuits. Alors ça, c'est les nuits en quarantaine, vous voyez. Ça s'intitule, ce dessin, on y voit grosso modo des pères dieux dans la nuit, quoi. Par Beck, BECS, d'Argentine. Donc, comment chacun a vécu ses jours et ses nuits, piégé, parfois apeuré, mais aussi tout bonnement planqué. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais eu peur dans mon souvenir de ce Covid. Par contre, j'ai peur de toutes ses conséquences. Ça, c'est bien, bien plus que le Covid lui-même. Je pense que en utilisant toutes les suggestions qui ont pu être faites, le risque est, selon moi, plus que minime. Je ne reviens pas sur ces suggestions parce qu'évidemment, je vous rappelle qu'officiellement, il n'y a aucun traitement. Ce qui est vraiment... Donc évidemment, un jour ou l'autre, la loi passera par là et dira que c'est effectivement la bonne version. En attendant, je vous rappelle qu'on aura été durement censuré, réprimé, empêché, et pour certains, on y aura perdu la vie. C'est quand même incroyable, ce monde dans lequel nous vivons. Donc, comment chacun a vécu ses jours et nuits, piégés, parfois apeurés, mais aussi tout bonnement planqués comme des déserteurs auraient pu l'être. Là aussi, c'est un dessin, page 62. Allez, j'y retourne de temps en temps parce que c'est trop tentant. Hein, c'est trop tentant. Voilà, donc on commence à comprendre le mode de lecture du dessin. Ça, c'est pour illustrer, mais tout aussi bonnement planqués comme les déserteurs auraient pu l'être. À la page 62 du livre, la voici. Corona, les enfants sont moins vulnérables que les personnes âgées, ça c'est le titre. Fermeture des crèches, des écoles, mais qui va garder les enfants? On sacrifie tes parents ou les miens, voilà le premier dessin en haut. Et puis au-dessous, le vrai danger du confinement. Mais en fait, on est bien chez soi et mon travail est inutile, mais il est con ce monde. Alors je vous laisse interpréter vous-même le dessin, où je vous montre les deux en même temps, vous puissiez profiter de ces deux dessins. Hop, un peu plus de champ pour la caméra. Et voilà pour les deux dessins de la page 62 du livre. Alors, donc, du coup, je reprends ma lecture. Ces dessins pour témoigner de la pluralité des expériences de confinés, selon que l'on soit riche ou pauvre. Du coup, hop, je rapproche un peu sur le texte, pas trop. Voilà. Jeune ou moins jeune, habitant de tel ou tel pays, citadin ou rural, en somme, pour souligner que si le confinement a été collectif, il n'en a pas moins été différenciant, sans dialogue possible entre ces différentes formes. Là, ça fait encore l'objet d'un dessin, page 66. Socialement discriminant, criminel parfois, même. Page 67. Ah oui, ça c'est un peu compliqué à lire. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ça. Le monde ne s'est pas rétréci, mais nous avons rétréci le monde. Alors ça, c'est un dessin inclus dans cette préface. Donc je peux vous le montrer. Voilà, il est juste à côté. Le monde donc ne s'est pas rétréci, mais nous avons rétréci le monde. Voilà comment c'est exprimé par ce dessin. Avec une petite illustration qui dit « J'ai l'impression que le temps s'est arrêté », avec, semble-t-il, un personnage enfermé dans une sorte de tonneau, quoi. Et ça, on doit ce dessin à Vado de Belgique. Très étonnant de noter que nous avons cessé de nier la Covid-19 en occultant simultanément ce qui ne relève pas du coronavirus dans le réel. Très étonnant de noter que nous avons cessé de nier la Covid-19 en occultant simultanément ce qui ne relève pas du coronavirus dans le réel. Comme s'il fallait remplacer un déni par un autre, nous étions tous d'abord dans la négation de l'existence du virus, puis nous l'avons conscientisé, lui et son risque, et dès lors nous avons nié le monde hors Covid comme si celui-ci n'existait plus, n'avait plus de poids dans nos représentations. Alors je me bagarre entre le micro
et le couvercle du portable. Et nos décisions. Donc je reprends cette dernière phrase. Nous avons tous d'abord dans la négation de l'existence du virus. Alors comme s'il fallait remplacer un déni par un autre. Nous étions tous d'abord dans la négation de l'existence du virus, puis nous l'avons conscientisé, lui et son risque. Et dès lors, nous avons nié le monde hors Covid, comme si celui-ci n'existait plus, n'avait plus de poids dans nos représentations et nos décisions. Nous avons perdu tout sens de la juste focale. 24 heures sur 24, la seule information autorisée dans l'espace public devait être liée à l'épidémie. Censure totale sur le réel dans son amplitude, l'actualité est devenue hémiplégique. Dans la clinique traumatique et pourtant post-traumatique, nous connaissons bien ce phénomène d'oblitération du monde, d'impossibilité de se focaliser sur autre chose que ce qui a fait effraction. Mais était-ce un traumatisme en cours ou était-ce une obscénité typique des modes spectaculaires d'attention au monde? La caricature est magistralement douée pour saisir l'absurde d'une situation, le manque de discernement avec ironie ou plus de sérieux, la panique inutile et si terriblement attendue. Alors, où est-ce qu'on en est? Il faut arriver à tourner la page maintenant. Très compliqué à manier ce bouquin sous une caméra. Et si terriblement attendue, encore un dessin, la réorganisation de l'économie grise, la perplexité devant ceux qui, totalement masqués et non reconnaissables, sont censés être des familiers. Et voici ce dessin où on voit « Bonne fête, maman ». Enfin te voir avec tous ces enfants masqués et puis la grand-mère qui dit à ses petits-enfants au final, vous êtes qui? Voilà la caricature. Alors merci de nous rejoindre Corflex, ça fait plaisir de te revoir. Et nous donc, c'est ce que je disais en intro malgré tous ces emmerdements qui m'ont atteint plus que je ne l'aurais voulu en ce début de semaine tant informatique que de censure. Évidemment épouvantable puisque j'ai perdu une chaîne à laquelle je tenais beaucoup pour son ancienneté, hein. Une chaîne qui datait de 2006, qui avait vaillamment traversé les années, mais il a suffi qu'on parle de la Covid pour qu'immédiatement on soit qualifié de dangereux complotiste. C'est démentiel quand on voit le pourcentage d'informations relatives à cette pandémie par rapport à tout ce qu'on avait publié avant, comme quoi l'intelligence artificielle est d'une bêtise crasse et inouïe, quoi. Il voudrait transformer des gens bienveillants comme nous, vous voyez, pacifiques, etc., en dangereux, voyez, extrémistes qui s'y prendraient pas autrement. Donc c'est vraiment dingue, quoi. J'en ai ras la casquette, mais nul doute que je vais me relever parce que, par chance, j'ai envie de dire, j'ai quand même une résistance à la frustration qui a été pointée dans de nombreux tests de personnalité que j'ai déjà passés. Donc nul doute que je vais m'en relever, mais j'accuse le coup. J'ai vraiment beaucoup de tristesse d'avoir perdu cette chaîne. Voilà, et puis on ne peut pas y passer des nuits et des jours, et donc bah, tant pis, on va continuer à avancer, mais bon, voilà. Une partie de mon histoire qui s'en va, comme je l'ai exprimé à de multiples reprises. Alors, donc... bouquin difficile à lire, là je suis dans un exercice de style parce que sans arrêt on est interrompu par des images, on perd le fil de phrases qui sont vraiment très longues. Donc je reprends la dernière. La caricature est magistralement douée pour saisir l'absurde d'une situation, le manque de discernement avec ironie ou plus de sérieux, la panique inutile est si terriblement attendue. La réorganisation de l'économie grise, la perplexité devant ceux qui, totalement masqués et non reconnaissables, sont censés être des familiers, virgule, l'impossibilité mi-phobique, mi-complaisante de retourner à la vie normale et contraignante, les nouvelles normes sanitaires délirantes et inapplicables, et tout aussi magistralement doué pour saisir la poésie d'une situation, son allure quasi métaphysique, le renouveau du symbolique, l'avènement possible d'autre chose, bref, une sorte d'imagination enfin au pouvoir ou d'une transformation totale des rapports de force classiques. La planète a respiré, les animaux se sont invités dans les villes, de l'art de renverser les points de vue, vive Corona, titre la banderole des zèbres, lions et pandas s'invitant à l'opéra, ou comment un univers à la Lewis Carroll semble reprendre la main, annonçant une nouvelle ère de reconnexion avec le vivant. Alors la figure 8, la voici, la figure 8.
De l'art de renverser les points de vue, vive Corona. Voilà le commentaire qu'il introduit. Titre, la banderole des zèbres, lions et pandas s'invitant à l'opéra. Ou comment un univers à la Lewis Carroll semble reprendre la main, annonçant une nouvelle ère de reconnexion avec le vivant. Alors l'auteur, il s'appelle Zed, il est de Tunisie. De la poésie saisie dans le temps présent à celle qui pourrait illuminer nos jours prochains, il n'y a qu'un pas ou quelques pages ou comment, en un dessin, raconter l'évolution de la civilisation, rétro-pédalant vers son spécimen le plus archaïque, à savoir le Cro-Magnon, qui sommeille en chacun et qui pourrait être finalement le dernier homme de cette ère anthropocénique. Alors illustré par le dessin numéro 9. Il faudrait faire ça plutôt en vidéo montée, ce que je suis en train de faire avec vous à l'arrache là. Voilà, donc l'Andalou d'Algérie qui illustre ce que je viens de vous dire, quoi. Il faudrait faire ça, oui, avec une bande sonore. On verra si je m'y décide. Alors merci de tes encouragements, Cornflex, qui me dit tiens, bon, Pierre. Donc ça, c'est le dessin numéro 9. L'art du dessin peut être aussi redoutable pour dire l'atterrissage forcé dans le monde d'avant. Oui, des postes de héros de la nation payés au SMIC, il y aura. Voilà, en un dessin, ça c'était page 131. C'est pénible pour moi, cette lecture, parce que je ne peux pas arriver à tourner les pages, à garder le fil de la lecture. Donc j'y vais quand même à la page 131. Je m'adapte tant bien que mal. Hop. Au livre qui lui ne s'adapte guère à moi, je dois dire. Alors page 131, voilà, c'est à dire que je suis pris en fait, mon conflit est entre le désir de suivre la cohérence de la lecture et puis qui renvoie sans arrêt à des dessins, donc qui coupe évidemment le fil conducteur. Donc c'est un drôle de truc dans ce livre. Voilà, le monde d'après le Covid. Pareil, empire, avec non au vaccin 5G de Bill Gates en tant que cette sorte de, comment dirais-je, de panneau revendicatif. Alors, pareil, empire, avec Uber Katz sur l'espèce de sacoche portée par l'homme qui la rencontre sur un vélo. Et puis en haut, qu'est-ce qui a marqué les restaurants du cœur avec une sacrée file devant, quoi. Le monde d'après le Covid, hein. Vous le voyez. Un monde fabuleux, n'est-ce pas, les amis? Alors, donc ça, c'était à la page 131. Alors, chaque fois que je vais à une page, évidemment, je perds le fil de la lecture. Voilà en un dessin l'équivalent efficace de la théorie de la reconnaissance falsifiée chère à Axel Honneth, H-O-N-E-T-H. La démocratie moderne instrumentalise le besoin de reconnaissance des individus, besoin totalement légitime, tant nous sommes constitués par la qualité des rapports sociaux et plus généralement par la reconnaissance sociale et symbolique. Seulement, quand celle-ci n'est que symbolique, jamais matérielle, jamais monétaire, lorsque vous êtes louangé, qu'on vous reconnaît une immense qualité et utilité sociale, et que la matérialisation de cette considération n'advient jamais, voire s'enlise, alors oui, vous pouvez parler de falsification de la reconnaissance, ou plus prosaïquement, envoyer un dessin pour dénoncer un monde pervers qui passe sa vie à se contredire sans sourciller. Il nous faudra un moment pour comprendre la tectonique de l'épisode Covid-19, tout ce qui s'est joué là comme dysfonctionnement et nouveaux usages, comme sidération et avènement d'un autre temps de régulation et de prise de conscience. Par la surréaction que ce moment a suscité, il est définitivement devenu événement. Mais l'était-il inauguralement ? Impossible de répondre de façon satisfaisante à cette question, tant la définition de l'événement varie selon l'histoire et son herméneutique est toujours à réactualiser. Il n'y a pas d'ontologie de l'événement, sa caractérisation se modifie selon les âges, les cultures, les périodes historiques, l'ordre du symbolique et du spirituel. Aujourd'hui, tout peut faire événement, même l'insignifiant, et cette insignifiance fera signification.
tout peut faire événement et impacter de façon monumentale le monde, les représentations que l'on s'en fait. Cet événement a touché et confiné près de la moitié des habitants de la Terre, une forme de dialogue entre inconscient collectif, notion certes très controversée, s'est nouée. Une même conscientisation a été vécue de multiples façons selon les sociétés et les individus qui les composent. Peut-être un même déni se formera à nouveau. C'est la probabilité la plus grande, mais elle n'a pas une valeur définitive. Nous ne savons pas à l'avance baliser les étapes du changement. Nous pouvons les cartographier, définir quelques invariants qui le composent, mais il n'est pas possible en amont de savoir exactement la nature de la dynamique, sa vélocité, ses points de butée ou de déclic, de dire à quel instant une bascule s'opère et quel sera l'impact de celle-ci. La modélisation a ses limites. Nous connaissons la plupart des ingrédients, mais la maîtrise de la posologie nous échappe en temps réel et peut-être même éternellement, tant les relectures de l'histoire sont également possibles par la suite, non pour produire du négationnisme, mais dans le but de faire surgir des nouveaux points de vue qui ont été délaissés par l'histoire des vainqueurs. Écrire l'histoire demeure un privilège, certes un art et une science humaine et sociale, mais également encore trop souvent une chance. Il est intéressant de comprendre dans cet épisode qui est jugé par beaucoup mineur et ridicule par sa mortalité et même sa létalité, la complexité d'une narration collective de l'événement. Les réseaux sociaux en continu, l'Internet, les objets connectés, l'open science, les sites de preprint, les scientific commons, le développement de la literacy, les sites ouverts de vérification scientifique, tout cela malgré le contexte de post-vérité dans lequel nous sommes, malgré la concurrence marchande de l'information scientifique, l'infodémie, les fake news, les proliférations des discours revendiquant les faits alternatifs, malgré cette confusion immense et qui crée un désenchantement, une crise de défiance encore renforcée, il n'empêche qu'il se trame aussi quelque chose, qu'il se tisse une autre manière, une lame de fond, encore très minoritaire, mais qui détient un bout de ce nouveau paradigme à venir. Tous les siècles avant le nôtre ont passé ces paliers, l'ont découvert par la suite et ont décrit l'histoire civilisationnelle malgré eux. Il faudrait être bien orgueilleux pour croire que nous serions différents et les seuls dans l'univers à ne rien faire évoluer. Les hommes restent bel et bien les instruments d'évolution, à l'intentionnalité si complexe qu'elle n'en est certainement pas une. Et dans ce grand théâtre du temps, long, très long, il y a aussi la trace de l'illusion de notre liberté. Et c'est signé Cynthia Fleury. C'est peu de dire que j'en ai bavé pour tenter de vous restituer cette introduction, mais je vais peut-être décider en fait de scannoriser les images relatives à cette introduction et puis finalement d'axer la vidéo plus sur les images que sur mettre le texte à l'écran. Et pendant ce temps, au fil des images, de vous lire le texte. Je pense que ça va être un de mes travaux post-émission. Alors, je regarde un peu le temps qui tourne. Et je pense que finalement, on va changer un peu notre programme, puisque tout a été bousculé par ce clavier farceur. Ça, on le dit dès qu'on va un peu mieux. Mais quand ce clavier vous bousille votre émission, là, on est un peu moins dans l'envie d'humour. Alors les amis, j'espère que cette émission vous aura plu par les imprévus, faute de vous avoir plu par la qualité de son organisation, et puis qu'on va vous retrouver très bientôt. Je vais m'attaquer à la mise en image de cette introduction, quoi. On va voir ce que ça donne au final. Avec ce livre qui s'appelle « À vos masques ». J'espère qu'il n'y a rien qui a été fait d'équivalent, de façon à ne pas refaire deux fois la même chose. Et j'espère que voilà, cette vidéo qui s'appellera « À vos masques », préface de Cynthia Fleury, je pense que c'est comme ça que je vais la baptiser, aidera à faire connaître le livre, que les auteurs du livre ne nous en tiendront pas rigueur. C'est vrai que c'est plein d'embûches, l'Internet. Des fois, on pense avoir fait la promotion d'un tel ou d'une telle, et finalement, on vous tire dessus, quoi. Hein. Comme ça s'est passé avec le livre de Claire Sévrac, qu'on aurait bien aimé faire connaître
Un peu plus, ouais, j'ai des sourcils d'ordinateur, cornflakes. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Pourtant, Dieu sait que par mes métiers précédents, j'en ai touché des ordinateurs, hein, des centaines sans exagérer. Et c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un clavier fou. Bon, moi je suis sur Mac, je sais pas si tu connais les machines Mac. En tout cas, le clavier de mon MacBook Pro Retina 13 pouces de 2015 est devenu subitement fou. Donc ça a commencé par une difficulté à appuyer sur la touche E et j'ai cru un peu bêtement qu'il suffisait de renforcer la pression sur le petit morceau de silicone qui sert, semble-t-il, à établir le contact. Et puis, merci David, l'émission n'est rien bousillée, l'émission était très bien de mon point de vue. Bah oui, parce que le clavier a quand même, à force qu'avec un ciseau pointu, j'ai soulevé différentes pièces de cette fichue touche E de mon clavier, et il semble qu'à force d'avoir tordu différents morceaux, bah, il est arrêté de se déclencher inopinément. Parce que le problème, c'est que j'appuie pas sur la touche, vous l'avez compris, mais elle se déclenche toute seule. Et que dans un. Évidemment, tout ça étant lié à une série d'événements dans lesquels j'arrivais plus à obtenir le E. Et donc, fallait appuyer très fort sur la touche. Alors, je me suis dit un peu bêtement, il faut le reconnaître, qu'en démontant cette touche et en plaçant un petit, comment dirais-je, une petite épaisseur directement sous la touche pour renforcer sa pression sur le fameux silicone, pour ceux qui connaissent comment c'est fait une touche d'ordinateur, ça améliorerait le soi-disant contact. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment un contact qui s'établit, c'est des effets, si j'ai bien compris, capacitifs, les trucs de clavier, enfin bref, j'ai pas toute la connaissance. Et toujours est-il que pour changer ce clavier de MacBook Pro 13 pouces, là, il faut tout démonter, retirer la batterie qui est copieusement collée. Et bref, je m'y sens pas trop, quoi. Pourtant, j'en ai déjà fait des choses, hein. Mais là, j'ai pas trop envie. Et donc, voilà où on en est. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est rendre cette touche inopérante et c'est tout. Je referme le paragraphe informatique classique des Retina comme bug. Bah ouais, mais moi, ça m'emmerde. J'ai pas beaucoup d'argent, ça va sans dire. Et donc, voilà, j'estime qu'il n'est pas amorti. Et voilà où on en est. Et l'envoyer chez un réparateur, ça veut dire plus aucun moyen de communication. Oui, mais ça c'est fait, Cornflex, hein. J'ai un clavier externe, mais mon problème, c'est pas le clavier externe, c'est que le clavier interne se déclenche tout seul, inopinément, quoi. Et donc, quand vous êtes en train de faire une émission comme celle-ci et que le E se répète à l'infini, évidemment, ça fait toutes sortes de perturbations jusqu'à planter l'ensemble de la machine. Bref, je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet. On peut se faire peut-être un Discord si tu sais comment y aller, Cornflex, pour échanger les idées. Mais j'avoue que ça fait déjà un moment que j'y réfléchis. Et je rappelle que j'ai été donc administrateur d'un parc informatique de 50 machines. Donc j'en ai démonté dans ma vie des machines. Mais là, franchement, je sais pas si c'est l'âge ou quoi, je suis un peu fatigué. Et puis, voilà, c'est quand même un gros risque parce que c'est emmerdant à retirer la partie qui fait le rétroéclairage du clavier, qu'en plus il y a des histoires de rivets, enfin bref, pas trop envie de me lancer dans cette opération. Alors c'est vrai que dans une boutique, encore faut-il faire confiance à la boutique, vu la quantité de matériel que j'ai sur cette machine, ça coûte 229 euros, je ne sais pas quel est le temps d'immobilisation, donc voilà où j'en suis de mes réflexions. Je préférerais pour ma part que cette touche arrête de m'embêter et puis que je fonctionne avec un clavier externe, donc voilà où j'en suis, quoi. Donc voilà, bah écoute, tu me fais un petit signe en messagerie privée, Cornflex, si tu as envie de me consacrer un peu de temps en messagerie privée sur Discord. Et puis, alors des disponibilités, j'en ai relativement maintenant. J'ai aussi des moments de travail, donc ça pourrait être si on regarde des jours proches, je regarde comment ça. Alors, en soirée, peut-être ce soir, si tu me mets un créneau. Demain, ça va être aussi en soirée à partir de 21h. Donc voilà, et puis bah, la semaine prochaine, il faudrait y revenir. Donc voilà, bref, on va voir, on ne va pas embêter nos auditeurs avec ça. Et donc, en tout cas, merci d'avance si tu as une quelconque aide. Mais là, j'ai l'impression quand même que j'ai fait un peu le tour. Je connais quand même bien les machines, j'en ai démonté pas mal de MacBook. Alors, celui-ci, dont celui-ci, hein, dont j'ai changé la batterie.
Le clavier sans fil, ouais, moi j'en ai un aussi. C'est pas qu'il fonctionne pas bien, mon clavier sans fil, c'est que je vous le rappelle, le clavier interne de la machine qu'on ne peut pas retirer. J'ai pas trouvé une solution logicielle pour le désactiver, ça doit être possible. Et donc, ce clavier interne se déclenche tout seul sans que je le touche, quoi. Donc voilà. Et comme je veux soulever le couvercle pour avoir la caméra, eh bien évidemment, j'ai des hauts qui défilent et puis d'un seul coup, tout est planté, quoi. Donc voilà. Et quand j'appuie sur la touche ou quand j'essaie de la soulever ou quand je passe sous la partie métallique entre la partie qui renvoie la lumière du rétroéclairage et le pied, évidemment notre ordinateur s'est éteint au milieu de tout avec le message de plantage sur les Mac qu'on voit à vrai dire rarement, mais là avec un bazar pareil sur ce clavier que j'étais en train de vous évoquer juste avant la coupure, voilà notre difficulté à résoudre du moment. Pour l'instant, je ne me résous pas évidemment à faire réparer la machine compte tenu du fait que ça va nous couper tout moyen pendant je sais pas combien de jours et que par ailleurs, je n'ai pas trop envie de laisser sortir son contenu de chez moi. Donc voilà où nous en sommes. De ces histoires. Alors, est-ce que la caméra est toujours là? Oui, ça a l'air d'être bon. Mais par contre, on va vous remettre quoi? L'état du studio. Voilà, alors là, vous aviez l'écho du retour que j'ai pu. Alors, je vois qu'il y en a encore quelques-uns qui sont restés. Normalement, un clavier externe ne branche pas. Merci de ton aide, David. Mais un clavier externe ne désactive pas le clavier de l'ordinateur, pour info. Je vous rappelle, je suis sur Mac OS 10 Mojave. Donc voilà, on est en fin d'émission, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, j'ai un clavier sans fil, il fonctionne bien, un smartphone en supplément. Ouais, moi j'ai bien un smartphone aussi, mais bon, voilà, j'ai beaucoup investi sur le travail sur l'ordinateur. En branchant un clavier externe, on désactive le clavier, l'ordinateur, je pense. En tout cas, ça ne marche pas tout seul sur le mien. Et donc, c'est quoi si une Shaky, le nom de l'application qui pourrait permettre de désactiver le clavier. Alors, j'ai quand même cherché pas mal de temps hier, j'en ai pas trouvé. On verra si on peut se débrouiller comme ça. En tout cas, on reviendra si certains sont disponibles sur Discord pour parler de tout ça, en particulier avec toi, Cornflex, si on arrive à trouver un créneau commun. On a lu ensemble aujourd'hui, vous le voyez, j'étais en train de vous dire que j'allais tâcher de passer une partie de ma soirée, je pense, à en faire une vidéo. Je trouve ce livre intéressant. Il y a un gros travail de scannerisation. Non pas que je compte scannériser tout le bouquin, mais je voudrais mettre en fait en vidéo l'introduction. Et donc, vous voyez, la caméra est assez loin pour le coup de ce livre. Puis c'est la caméra arrière que vous avez. Donc on voit ça d'autant plus petit. Maintenant, si je mets la caméra avant, ça donne ceci. Mais vous voyez, donc voilà, j'ai quelques images à scanneriser. Une, deux. On va voir combien ça peut représenter. Plus que ça, parce qu'après, il y a toutes celles qui sont en référence dans le texte, hein, quand vous voyez, si je vous approche dans le texte, il y a des parenthèses avec des renvois à des pages du livre, par exemple la page 48. Donc il faut que je recense le nombre d'images. Je ne pense pas que comment dirais-je, le préambule, l'introduction, fasse référence à l'intégralité des pages du livre. Sinon, ça serait plus embêtant, ça en ferait quand même beaucoup. Ça, c'est celles qui sont, vous les voyez défiler, qui sont intégrées dans l'introduction elle-même, et puis il y en a plein d'autres qui sont mentionnées et dans lesquelles il faut tourner les pages. Alors évidemment, lecture plus tournage de page, on n'arrive plus à suivre ni l'un ni l'autre. Donc je vais tâcher de faire ce soir une vidéo qui sera intitulée À vos masques, préface de Cynthia Fleury, évidemment en donnant le lien pour se procurer le livre que pour notre part on a acheté à la librairie Dialogue de Bresse pour ne pas la nommer. Écoutez, j'ai remis en route ma machine après le plantage imprévu. Je ne sais pas ce qu'il a provoqué d'ailleurs. Peut-être je manipulais un petit peu
mon écran, teste cet outil Unshaky. Ben, il faut qu'il corresponde à Mac OS 10. Je suis en combien? Moi en Mojave, donc Mac OS 10. 10, 14, 6. Donc voilà, il faudra voir s'il veut marcher. En tout cas, merci pour ta suggestion. Je vais noter ça pendant que l'écran est encore actif. Alors, si je prends pas des notes, moi j'oublie tout après. Donc, ça s'écrit AUNSHAKY. Voilà, UNS. Bon, l'idéal, ça serait qu'évidemment, je puisse remettre ce. Il faut quand même que je puisse démarrer ma machine. Or, comme le bouton de démarrage est sur la machine, ainsi que les boutons de son, etc., il faudrait une application qui, pour être clair, ne désactive que la partie alphanumérique du clavier, quoi. Il faut quand même bien que je puisse avoir. Donc, il ne s'agirait pas que le remède soit pire que le mal, parce que si je ne peux plus démarrer ma machine, évidemment, ça craint, quoi. Bon, donc il faudrait vérifier que cet outil est fiable. Je n'en sais rien. Tu me diras, Cornflakes, si tu as toi-même un Mac similaire et si tu sais répondre à ces questions que je me pose. Bah, écoutez les amis, malgré tous ces aléas et cette désorganisation liée à ces ennuis techniques et à la censure, j'espère que vous aurez trouvé intérêt à ces deux livres qu'on aura parcourus ensemble ce soir. Le premier, je vous le rappelle, Le génie du confinement, et puis le deuxième s'appelle À vos masques. Voilà, qui est composé essentiellement de dessins, donc 120 dessins de presse avec une préface de Cynthia Fleury. Voilà, et bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente, excellente soirée. Je ne sais pas quand on va se redécider, je cherche un peu le ressort là, que j'ai perdu avec cette censure pour faire nos prochains web journaux, évidemment hors YouTube. On ne va pas continuer à se battre contre ce mastodonte pour l'instant. Il faut qu'on refasse nos forces. Et puis, en fait, nous, on ne se bat pas contre YouTube. C'est YouTube qui se bat contre nous, nuance. Voilà, on aimerait bien qu'on puisse continuer à exprimer nos idées et à exprimer le fait que il existe des traitements qui pourraient bien nous aider, et vous savez contre quoi. Donc à partir de là, on va quand même pas passer le restant de ces jours à jouer au chat à la souris avec des mots interdits sur YouTube. C'est vraiment l'absurdité et la connerie absolue de l'intelligence artificielle, si ça pouvait faire réfléchir les jeunes générations. Mais là, voilà, est-ce que c'est trop demandé? L'avenir nous le dira. Passez une excellente soirée les amis, pensez à bien vous régénérer. Merci à vos pouces, c'est la première fois que je les vois apparaître sur l'application. Peut-être que ça ne fonctionne que quand on est que sur YouTube. Là, je vous rappelle que quand j'ai remis en route ma machine, je me suis dit, il n'y a que YouTube qui sait permettre la reprise d'une émission interrompue, soit faute de batterie, soit par un aléa comme le nôtre. Et donc là, j'ai abandonné, malgré moi, Facebook pour la fin de cette émission, VK et Twitch. Désolé pour ceux qui étaient avec nous par l'intermédiaire de ces plateforme. En tout cas, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, passez une excellente, excellente soirée. On va refaire nos forces, tâcher de résoudre d'une façon correcte nos problèmes techniques, nous empêchent de nous pourrir la vie, et puis peut-être organiser une manif devant chez nous pour qu'on nous arrête de nous pourrir la vie aussi par des travaux qui n'arrêtent jamais, jamais, jamais. Je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un appartement entièrement refait qui est juste au-dessous de mon bureau et dont les ouvriers dépassent allègrement les heures comment dirais-je, de travail couramment accepté dans les copropriétés. Merci à moi je, merci Cornflakes, merci David Contact Terre, merci qui c'est que j'ai oublié, ben Paul il m'entendra plus, hélas, s'est retrouvé éjecté. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et puis qui ont posté aussi. J'en vois qui ont posté visiblement depuis Facebook, hein, c'était Paul qui nous dit en janvier 2020 j'avais dit mais où est le principe de précaution sanitaire, nous en élevage les frontières se ferment au moment des premiers cas d'une maladie contagieuse. Tout a été fait à l'envers, c'est peu de le dire, hein. Et Paul qui nous disait le port flambeau de la résistance, effectivement tu t'affiches maintenant sur mon chat d'une manière, et puis moi je, qui a été avec nous ce soir, donc j'étais en train de remercier tous ceux qui ont participé à cette émission,
Voilà, je vois 5 pouces en l'air. Je ne sais pas si ça veut dire que j'ai 5 pouces sur Brest Boss 5. Je comprends pas trop à ce système quand on reprend une émission en cours de route. En tout cas, excellente soirée à vous toutes et à vous tous. On se retrouve bientôt, soit pour un web journal hors YouTube, soit pour la suite de nos lectures actives et interactives. En tout cas, merci pour votre participation. Je vous laisse en compagnie de notre générique, ça devrait encore marcher, et puis passez une excellente soirée. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.